pasteur la SEG et qui fait confiance et qui donne opportunité pour que moi capable de communiquer ensemble avec nous, ainsi que détermination quelques monde et parmi lesquels pasteur Camille et qui fait un suivi extraordinaire chaque temps la demande na qui premier ensemble avec conférence là sœur et Noël qui lui-même fait un suivi chaque temps cap demande qui côté mieux pasteur Cantave et qui fait un pile suivi dans sens ça et qui rend que jour ça li possible et son vraiment son opportunité et son bénédiction et que moi capable là avec au matin pour que nous capable et partager ensemble et quelques paroles et de la part de Dieu. Donc sujet conférence nous c'est comment défendre sa foi chrétienne avec fermeté et avec conviction. Lorsque on lit dans 2 Timothée chapitre 3 les versets premiers, on voit que Paul a fait référence à un temps qui particulièrement difficile. Il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Expression temps difficile que Paul employait, c'est mot grec qui signifie c'est mot grec qui dit kalepos. Et c'est même type de expression ça que disciples ont utilisé par rapport à yon moun qui était possédé d'un esprit méchant ou esprit mauvais et que disciples n'ont pas capable dompter. Donc lorsque a présenté récit ça, moun sa qui était esprit mauvais ça, il aurait dit kalepos. C'est-à-dire que moun nan dangereux, moun nan périlleux. Et c'est même ça que Paul a pour reprendre lorsque Paul a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, difficiles dans le sens de dangereux, dans le sens de périlleux par rapport à la foi chrétienne. Et c'est ça que fait Jésus-Christ à parler, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour qui ça? Parce que tant yo marqué danger et tant yo périlleux. Et Paul t'a pral bail quelques références. Il t'a pral bail quelques exemples. Si vous voulez, Paul t'a bail des indicateurs, des indications et pour le montrer qui ça pral passer dans temps ça. Il dit que les hommes seront blasphémateurs. C'est-à-dire que tout ça qui gagne à ouais avec parole bon Dieu, yo pral essayer tortiller parole ça exactement ça qu'a fait jodi a. Merci. Non seulement il dit l'a fait ça, non seulement Paul présentait que moun pral blasphémateur, mais Paul dit tout que yo pral gagne l'apparence de la piété. Donc on pral gon forme de spiritualité, une spiritualité à bon marché, une spiritualité sans Dieu. Et Paul continue pour dire que il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons, parce que à cette époque l'église c'était dans caï moun que le dayé et qui captivent des femmes et il dit que de même ces hommes s'opposent à la vérité. Frères et sœurs, on a vivre dans un temps qui dangereux, un temps qui périlleux. On va mettre nous quelques statistiques pour m'expliquer ça que m'a dit là. Une organisation aux États-Unis qui est les Barna. Barna li spécialisé dans faire enquête particulièrement au niveau de l'église. Récemment, ils ont publié une étude. L'étude a révélé que 70% jeunes timon qui finissent high school, c'est-à-dire qui finissent secondaire, tout abandonné la foi. 70% de jeunes timon qui finissent le secondaire, ils ont abandonné la foi. Pour qui ça? Parce qu'ils ont dans l'incapacité pour défendre la foi. Non seulement ça, ils sont capables de rapatrier la question de la CAENO. Par contre, si nous réalisons que tant yo a changé beaucoup de par nous. Actuellement, ou gen des religions, ou gen des formes d'expression religieuse qui extrêmement agressif et qui menacé la foi chrétienne. Et parmi lesquelles, m'capable citer l'islam par exemple. Et gen pile monde qui pas réalisé que après le tremblement de terre, l'islam li entre en Haïti et que li fait un pile disciple. Et li gen un bras de développement qui une organisation qui relait Islamic Relief. Et qui lui-même, quel que soit besoin, il est supporté. Et lorsqu'on va vivre dans un pays qui est pauvre, ou il y a une organisation qui a des ressources financières dans elle, donc on n'a pas besoin de dire qui ça veut dire pour jeunes nous. Non seulement je suis capable de dire ça, je suis capable de parler de mormons. En pile, on connaît mormons en Haïti. Mais si on descend sur l'autre frère, on va réaliser que il y a un temple mormon qui là. Temple différent de l'église mormon. Temple ça, son temple plus de 24 millions de dollars. Pour qu'ils soient font temple comme ça en Haïti, ou bien deux temples dans Caraïbes là, en Haïti et en République Dominicaine. Dans temple mormon ça, ils ont pas fait service, c'est deux bagages que ils ont fait.
yo fait baptême pour les morts et puis yo fait mariage universel. Et c'est ça que vous pas ouvert les dimanches. Yo ouvert seulement pour deux types de cérémonies ça yo. C'est-à-dire que souvent membre famille qui mourit et que vous pas sûr que moun ça pral dans ciel, donc vous capable font baptême pour lui-même ou baptiser pour mort yo pour bon Dieu capable prendre moun ça dans purgatoire pour le voir dans ciel. C'est ça que a enseigné. Non seulement ça, ou gen sa rele mariage éternel dans le sens que ou capable marier sous terre et puis ou tout marier dans ciel là tout. C'est-à-dire qu'ou tout marier éternellement. Et non seulement l'islam, maintenant qu'on dit le vaudou, par contre si nous réalisons que vaudou a une proportion extraordinaire dans le pays ça. Moi-même lorsque je t'ai grandi, lorsque je t'ai dit moun qui te compte pratiquer vaudou, c'était petit grand moun sans dents. Non. Je dis à différent. Je dis à la plupart de intellectuels nous en Haïti, c'est vaudouisant oui. Et yo vend la culture haïtienne comme une culture vaudou. En sorte que tout le monde qui parle vaudouisant, c'est parce que le renier origine ni. Et lorsque on parle du christianisme, yo dit que christianisme son religion pépé. Son religion importée, c'est blanc yo, c'est colon yo qui te fin mette nous dans les chaînes et c'est eux-mêmes qui viennent ba nous bagay ça. Donc faut que yo font décolonisation mentale pour nous-mêmes. Donc tout le monde qui croit en Christ, c'est des monde qui toujours en bas joug esclavage là, yo esclavage mental. C'est comme ça représenter. Ou gen deux facultés en Haïti, automatiquement gen des jeunes qui passent là-dedans, gen en pile chance pour sortir en Ougan. Nous par contre de qui faculté m'a parlé? Et son réalité. Parce que nous vivons dans un temps qui est difficile. Et je dis à nous vivons dans une époque tout côté en pile, nous disons spirituel, mais nous avons besoin de bon Dieu. Nous spirituel, mais nous avons l'église. Nous seulement besoin de spiritualité, nous avons besoin de faire des expériences de transcendance. Mais nous avons besoin de bon Dieu, nous avons besoin de la Bible. Nous seulement nous, moi-même, sont êtres qui spirituel. C'est comme ça, moi. Donc, moi, j'aime spiritualité, je cherche spiritualité. Chercher spiritualité dans méditation transcendantale, chercher spiritualité dans yoga, même pas besoin de l'église, pas besoin de bon Dieu, pas besoin de Christ. Et c'est dans l'époque ça que Paul t'a parlé et que Paul qualifié au de temps qui difficile. Difficile dans le sens que yo dangereux. Et lorsque moi m'avais on a vivre dans l'époque ça, il est extrêmement important pour nous capable connaître dans qui ça que nous croit. Non seulement Paul a parlé de temps ça, mais Daniel lorsque l'a parlé de la fin des temps, Daniel dit que la connaissance augmentera. Par contre, si nous réalisons des questions que Timon a posées actuellement, c'est des questions qui sont extrêmement difficiles. Et que grand pile parents qui pas prêt pour répondre à la question ça. Avant hier, si garçon n'a dit, il a 9 ans et l'a dit comment Jésus-Christ fait bon Dieu? Si que Jésus-Christ c'est bon Dieu qui fait, comment il fait bon Dieu? Est-ce qu'il était toujours là? Comment ça y est? C'est des questions en pile monde. C'est des questions qu'a coqué shot yon moniteur l'école du dimanche. Donc je dis, on a besoin de l'autre calibre de moniteur, on a besoin de l'autre calibre d'enseignant qui est capable d'adresser type de questions ça y est. Ou bien des questions que jeunes ont posé qui sont difficiles. Jeunes ont dit, comment nous faire connaître que bon Dieu existait? Sous qui base? Est-ce que nous connaissons que bon Dieu existait parce que mon moniteur te dit nous que bon Dieu existait? Ou bien parce que nous faisons dans une famille chrétienne, comment nous faire connaître que bon Dieu existait? Et quand nous fait, comment nous faire connaître que bon Dieu par nous, c'est vrai bon Dieu? Parce que l'islam, il y a bon Dieu par eux. Moi, il y a bon Dieu par eux. L'autre religion, il y a bon Dieu par eux. Qui ça dit ou que bon Dieu par là, c'est vrai? Ceux qui sont campés pour dire ça. C'est des questions qui sont légitimes, par contre, si nous réalisons ça. Ou capable de des jeunes qui posent l'autre question, qui disent comme ça, que comment faire connaître des bagailles qui existent dans le monde ça? Parce que le plus souvent, il y a des scientifiques qui présentent le monde ça, c'est qu'on a vivre dans une matrice. Tant qu'on sont simulation artificielle que nous y est, parce que nous pas réalité a pas vraiment existé. Donc comment nous faire connaître bagay ça a existé? Gen moun kap di nou, pour qui ça mal existé sous la terre? Pour qui ça gen toute souffrance ça dans monde ça et puis bon Dieu a gardé il pas dit rien? Peut-être c'est parce qu'il pas existé. Ou bien si bon Dieu existait, peut-être il pas care vraiment. Pour qui ça toute souffrance ça? Pour qui ça toute pauvreté ça? Et sa forme dit non que c'est des questions que deux monde qui pas poser ou à bouche mais poser dans cœur. Pour qui ça bon Dieu pas dit rien dans souffrance pas ou là personnellement. Et que deux monde qui a posé l'autre question qui a dit comme ça comment me faire connaître la vérité sous qui base moi connais tel bagage vrai sous qui base que me connais tel bagage faux. Que deux monde qui a posé question sur la doctrine chrétienne pour qui ça un bon Dieu qui dit son Dieu d'amour capable voir monde dans l'enfer alors que il dit remet tout le monde.
Donc vous avez des questions totalement légitimes que des mondes a posé tête yo. Monsieur, pendant la Bible dit non. La Bible exige moi-même avec vous pour que nous capables de des réponses à question ça yo. En pile monde des fois yo lorsque a présenté yo présenté comme yo défenseur de la foi chrétienne comme si son bagage extraordinaire mais yo pas réalisé que tout chrétien t'a supposé un défenseur de la foi chrétienne. Lorsque on regarde, lorsque Paul a parlé des dons ministériels, il a dit que aux uns, bon Dieu fait des apôtres, aux autres des évangélistes, et à l'autre monde des pasteurs et des docteurs. On pourrait pas mettre apologète là-dedans. Pour qui ça? Parce que dans la pensée de Paul et dans la pensée du Christ, tout le monde net sont défenseurs de la foi chrétienne. Et c'est ça que fait lorsque Jude a écrit pour que nous capables combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et lorsque la parole de la foi transmise au sein une fois pour toutes, la parole des grandes vérités bibliques. Et c'est ça que fait Paul a dit que nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et donc nous toutes nous avons responsabilité ça en tant que défenseurs de la foi chrétienne. Et je dis à nous besoin adapter type d'évangélisation que nous faisons. Bon, un exemple. Lorsque un monde dit que le pas croire dans miracle. Comment moun sa pral kwè dans la résurrection de Jésus-Christ qui c'est le plus gros miracle qui pas jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Donc moun sa besoin amener à kwè nan possibilité miracle pour que le capable d'accord que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts. Lorsque un monde li pas kwè dans la Bible. Donc le fait que wa le côté l'ouab dit Jean 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde, ça pas fait sens pour lui parce que le pas kwè dans livre ça. Parce que le gars dans doux son livre pépé son livre importé. Il est en tout c'est blanc ou banol donc ou pas capable d'utiliser pour capable convaincre lui. C'est même genre des fois lorsque on demande des jeunes yo dit et pour qu'ils soient croient que la Bible c'est la parole de Dieu et puis on dit que moi la Bible c'est la parole de Dieu parce que la Bible dit lui c'est la parole de Dieu. Et ça aurait un raisonnement circulaire. Le on demande des musulmans pour qu'ils soient croient que Coran c'est la parole de Dieu ou quand ça musulman répond parce que Coran dit que c'est la parole de Dieu. Et son raisonnement circulaire. Donc entre Coran qui c'est la parole de Dieu et la Bible qui c'est la parole de Dieu, qui est-ce qui est vrai? Donc il y a un argument qu'on est capable de gagner, qu'on est capable de formuler, pour capable de défendre foi. Et donc c'est sujet ça que je t'ai invité à traiter avec nous. Comment défendre sa foi chrétienne avec fermeté et avec conviction. Pour que je traite ce sujet ça, m'a utilisé un verset. Et tout ça que je vais dire, je vais chita sur verset ça. Donc, job moi matin, c'est unpack verset ça. C'est décortiquer verset ça pour nous capable comprendre l'essentiel de la défense et de la foi chrétienne. C'est 1 Pierre 3, le verset 15, que m'invitez nous à considérer avec moi. 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15. Ok. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ma première verset. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Lorsqu'on regarde le texte, le premier élément dans le texte supposé attirer attention, c'est sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et ça, ce n'est pas responsabilité pasteur, c'est responsabilité tout le monde qui baille non, tout le monde qui confesse que vous êtes chrétien. Ou gen responsabilité pour que Christ c'est lui siéger sous trône cœur. La Bible dit nous garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Nous avons réalisé que cœur son trône et que sous trône ça c'est la toute grosse décision yo prend. C'est la toute décision qui prend, décision qui concerne vie ou sous terre ça. Et décisions qui concernent les vies dans l'éternité. Tout prend sous trône ça.
Mais Pierre invite nous que nous besoin sanctifier Christ dans cœur nous comme Seigneur. C'est-à-dire que Christ, il besoin siéger sous trône cœur nous. C'est premier bagage on besoin qu'on est dans la défense de la foi chrétienne. C'est que Christ besoin siéger sous trône cœur d'abord. Christ besoin occuper première place là dans la vie d'abord. Et c'est ça que fait la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu d'abord. Mais lorsque Christ siège sous trône cœur, c'est-à-dire lorsqu'on sanctifie Christ dans cœur, bon bagaille qui va le passer. Ou on qui ça va le passer? Moun va le poser aux questions. Moun va le dire pour qui sont différents. Moun va le dire pour qui sont pas fait business même gens avec tout le monde. Pour qui sont pas gérer bureau l'état même gens avec tout le monde. Pour qui sont gérer foyer ou différemment comme ça. Pour qui sont pas parler même gens à tout le monde. Pour qu'ils ne soient pas fonctionnés, même gens à tout le monde. Pour qui ça? Parce que vous avez sanctifié Christ dans le cœur. Automatiquement, vous avez sanctifié Christ dans le cœur. Les gens peuvent poser des questions sur l'espérance qui est dans vous-même. Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire, chers amis, toutes les fois que vous ne pouvez pas jouer le monde qui pose des questions, qui dit pour qu'ils soient différents comme ça, vous avez un problème dans le christianisme. Est-ce que nous comprenons ça? Toutes les fois que vous ne pouvez pas jouer le monde qui pose des questions, quelle que soit notre sphère d'influence ou quel que soit côté où on exerce son activité, toutes les fois qu'on pas joindre yon monde qui dit ou pour qui sont différents comme ça, parce que le christianisme son foi cap marcher à contre-courant. Et c'est ça que fait lorsque Paul a dit blab pas la chrétien romain, il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la réalité a automatiquement ou pas conformé, c'est-à-dire que vous sanctifiez Christ dans le cœur, vous allez poser des questions. Et lorsque vous posez des questions, vous allez demander pour qu'ils soient espérants ça. Mais l'apôtre Pierre dit, lorsque vous allez poser des questions, vous avez besoin toujours prêt pour vous défense. L'expression que Pierre employait toujours prêt, il n'est pas nécessairement voulu dire qu'on compte toute bagaille. Il n'est pas nécessairement voulu dire qu'on répond à toute question. Après session ça, nous avons une opportunité pour que nous capables poser des questions et m'inviter nous à poser toutes questions qui brûlent en sous cœur nous et qui touchent la foi chrétienne. Et avec la grâce de Dieu, m'espérer capable baou des éléments de réponse. Mais cependant, qui te me dit, m'pas une réponse à toute question. Être toujours prêt pas voulu dire qu'on compte toute bagaille. Être toujours prêt, vous dit qu'on a attitude. Attitude là, c'est qu'on toujours prêt pour bâillon défense de foi. Expression bâillon défense, c'est lui-même que traduit en grec apologia. Apologia veut dire bâillon défense. Yon défense de la foi chrétienne. C'est-à-dire que la foi chrétienne engagée, ou bien des doutes qui formulés par rapport à la foi. Ou bien des objections qui formulées par rapport à la foi et qui te me dit non bagaille, c'est tout à fait normal que monde capable gagner des doutes. Tout à fait normal que monde capable gagner des objections par rapport à la foi chrétienne. Parce que gien de bagaille qui dans la Bible là des fois capable dit ça pas fait sens. Parce que la Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Puisque l'homme naturel ne peut recevoir les choses de Dieu, c'est tout à fait normal pour que l'homme naturel ait question. Mais lorsque l'homme naturel a une question, contre qui est-ce pour aller? Contre moi-même avec, qui c'est des chrétiens. Et lorsque le vin côté nous, attitude nous, c'est que nous besoin toujours prêts. Quel que soit temps, nous besoin toujours prêts pour qui ça? Pour nous bâillons défense de raison, de foi, de espérance et qui n'en nous. L'autre élément qui est dans le texte, il dit comment pour faire. Comment il dit pour faire? Il dit que vous faites avec douceur et vous faites avec respect. Il y a une bagaille qui est capable d'empêcher ou bâillon défense de la foi chrétienne avec douceur et avec respect, c'est lorsque vous n'avez pas préparé. Ben, vous réalisez que automatiquement, vous ne pouvez pas faire de automatiquement, vous ne pouvez pas faire de voix de maison ou perdre du contrôle. Lorsque vous dites un bagaille, au lieu que vous présentez une défense, avec douceur et avec respect ou fâché. C'est comme si moun n'a pas de droit pour poser question ça. C'est comme si question ça sont question stupide moun n'était supposé quoi.
Et des fois, c'est ça qui passe avec un pile jeune dans l'église. Il y a des questions, mais on n'est pas prêt pour recevoir question ça. On n'est pas prêt pour avoir une réponse. Il n'est pas en mesure pour avoir une réponse. Et lorsque jeune ça arrive dans l'université et que Abdil que bon Dieu pas exister, nous tout simplement évoluer parce que c'est sa théorie Darwin n'en dit et a prouvé au pas A plus B que nous évoluer et que bon Dieu pas important dans l'équation ça. Il t'a posé question ça dans l'église. Et qui ça, il t'a répondu. Qui ça leader a te répondu yo? Leader a te just dit yo, just quoi par la foi. C'est comme si la foi son saut dans l'obscurité. Donc toutes les fois on pas comprendre un bagage ou just prendre par la foi. Toutes les fois qu'on pas ca expliquer un bagage ou just accepter le par la foi. C'est comme d'adou la foi son bagage qui fait pour tout le monde qui ignorant. Automatiquement ignorant ou dit que même accepter le par la foi. Mais c'est pas ça l'apôtre Pierre dit nous. L'apôtre Pierre dit nous, non seulement nous besoin faire une défense avec douceur et avec respect, mais il dit nous devant quiconque mande nous raison de l'espérance qui est en nous. Lorsque il dit devant tout le monde qui mande nous raison de l'espérance qui est en nous, l'apôtre Pierre a dit nous que notre foi est raisonnable. Raisonnable dans le sens que l'illogique, raisonnable dans le sens que l'irrationnel, raisonnable dans le sens que ou supposé capable d'expliquer. Lorsque bon Dieu a révélé tête li, bon Dieu révélé tête li comme le logos. Au commencement était le logos et le logos, c'est mot ça que nous utilisons pour la raison. C'est mot ça que nous utilisons pour la logique. C'est comme si on a dit bon Dieu a révélé tête, il a dit au commencement était la logique et la logique était avec Dieu et la logique était Dieu. C'est comme si bon Dieu a dit au commencement était la raison était avec Dieu et la raison était Dieu et c'est bon Dieu qui dotait nous de raison. Et puisque nous dotés de raison, nous capables raisonner. Et la Bible dit nous que nous besoin bail raison de espérance qui dans nous. Si l'invité nous bail raison de espérance qui dans nous, c'est que espérance nous dit raisonnable. C'est-à-dire que lorsque on nous demande pour qu'il soit croyant dans bon Dieu, ou pas capable de dire moi je crois parce que me senti le soukèn. Parce que moi a senti soukèl tout. Musulman a senti soukèl tout. Réponse ça yo pas valable encore, réponse ça yo pas approprié parce que n'a vivre dans des temps qui difficiles. N'a vivre dans des temps côté jeune nan just monter sous téléphone ni sur internet, li gen accès à tout type d'information. Information qui est vérifiable, information qui n'est pas vérifiable, ou bien l'île dans un livre, l'île. Et lorsque il arrive dans l'église, il dit qui est-ce qui a expliqué? Personne n'a pas expliqué, il dit accepter par la foi. Mais lorsqu'il arrive dans l'université, professeur philosophie, hein? Professeur biologie, hein? Professeur physique, là? Professeur mathématique, là, dit non, nous n'avons pas besoin de ça, nous n'avons pas fonctionné comme ça. Nous avons besoin d'hypothèse, bon Dieu. Lorsque nous pas comprendre que c'est vaporisation qui baille la pluie, nous te qu'on penser c'est bon Dieu qui fait la pluie. Qu'on y a là la science expliquer principe qui baille la pluie, hein, son principe de vaporisation qui gagne à ouais avec le cycle des eaux. Qu'on y a nous comprendre que bon Dieu pas gagne rien à ouais avec la pluie et en fait bon Dieu pas existé. Et le sage va le dire. Le sage jeune n'a troublé. Il pas gagne repère encore le perdu. Et raison qui fait moi-même dans ce ministère, c'est parce que je fais expérience ça. Je fais expérience en tant que petite église de Dieu, levé dans l'église de Dieu, accepter le Christ dans l'église de Dieu. Et là, ça m'a bon zèle pour me travailler pour Christ. En tant qu'assistant, moniteur à l'école du dimanche, en tant que moniteur à l'école du dimanche et surintendant à l'école du dimanche. Et pendant que je suis entré dans l'école du dimanche, je perds la foi. Parce que je ne viens pas courir encore. Chaque samedi, je me réunis avec le moniteur, je pense que je ne vais pas courir dans le lit encore. Parce que j'ai des doutes, j'ai des questions que personne ne peut expliquer pour moi-même. Par contre, ça me lit, ça me dérange, je crois seulement que bon Dieu n'est pas réel, vrai. Et je ne vais pas supporter ça, je me dis que je ne parle pas à pasteur. Et m'rive écoute pasteur me dit passe au compte ça qui passé perdu la foi. Donc me dit que me voulait remettre toute bagaille en main, remettre tout ministère, toute bagaille
et que me fina avec bagaille ça moi-même. Mais cependant pasteur t'a gagné assez de sagesse pour que lui dit puisque c'est pas moi qui t'ai relé au dans le ministère, me pas retirer au dans le ministère. On a le côté monde qui te met dans le ministère là. Et c'est ainsi que nous entrer dans un espace et puis il à genoux, il fait mander pour ma genoux et puis il passer maintenant dans cour moi et puis il commencer à prier. Mais cependant, pas de jambe te dit l'objet de doute, moi, pas de jambe te dit la raison qui fait nous chuter. Mais seulement, il y a un paquet de doute dans la tête, moi. Et c'est ainsi que pendant que la prière, tout doute que je suis dans le cœur, la cite tout. Non seulement la cite tout doute, et puis la baille explication pour eux-mêmes. Et c'est comme si pendant la prière pour moi, c'est comme si son cap booster, et puis qui chargeait, cap charge en batterie. Et l'homme leva à terre, l'homme levé à genoux, c'est le Samson véritable surintendant dans l'école du dimanche. Parce que qu'on n'y a pas seulement quoi dans cœur, mais qu'on a raison qui fait quoi. Et c'est ça que on sujet qu'on s'est invité nous faire. Nous besoin qu'on ait pour qui ça nous quoi. Paul a parlé, il dit car je sais en qui j'ai cru. C'est-à-dire que foi Paul là pas une foi émotionnelle. Foi Paul la patrion superstition. Paul est capable de présenter une défense de la foi chrétienne. Et c'est ça que nous voyons Paul fait. Lorsque Paul a dit que nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et donc Paul dit nous que c'est ça nous avons comme responsabilité tout. Et c'est ça que fait l'apôtre Pierre à parler, il dit que d'abord, nous besoin sanctifier Christ dans cœur nous. Lorsque nous sanctifier Christ dans cœur nous, c'est-à-dire lorsque nous mettez Christ à part dans cœur nous pour le siéger sous cœur nous, pour lui-même, c'est lui qui a une grosse décision, toute décision. Et que le ça monde pral wè ko différent parce que ou différent, yo pral mando, yo pral poser question sous raison espérance qui dans ou même non. Maintenant puisque ou t'es toujours prêt, parce que toujours prêt, c'est une question d'attitude, c'est pas une question de somme d'information que vous gagnez, parce que personnellement, je n'ai pas une somme d'information. Il y a un pile de monde des fois lorsque vous pensez que je suis théologien, je n'ai pas étudié théologie. Il y a un pile de monde qui pensait que c'est ça que je fais. Je suis laïque, je suis tout simplement un entrepreneur. Même seulement réaliser que la Bible dit que je suis supposé toujours prêt pour me bailler une défense de foi. Et donc, dans ce sens-là, je suis supposé préparer, je suis supposé étudier la Bible, je suis supposé passer temps dans la présence de Dieu, je suis supposé comprendre une série de bagailles pour lorsque on me consulte. Et c'est ça que fait apologétique, c'est pas un bagaille qui est réservé à pasteur, c'est pas un bagaille qui est réservé, si vous voulez, à apôtre, à prophète, à évangéliste. Pas qu'on est. C'est la responsabilité de tous les chrétiens. Parce que automatiquement, on va sanctifier Christ dans le cœur. Ou a bien de monde qui a posé aux questions sur raison de existence, sur raison foi ça qui n'a ou même. Et l'apôtre Pierre dit que nous besoin faire ça devant quiconque, n'importe monde, il est capable son petit monde, il est capable son grand monde, devant quiconque mande nous raison de espérance qui n'a nous même. Et donc nous gain responsabilité ça. Et donc matin, objectif moi c'est ouvrir les yeux sous potentiel ça, ouvrir les yeux sous appel ça que bon Dieu baou. C'est pas un appel que le baï a des mondes en particulier, mais c'est un appel que bon Dieu baï à son église. Et que l'église là, la vive dans des temps qui périlleux, des temps qui difficiles, et que li besoin armel de toute la pensée de Dieu pour que le capable baï yon défense, pour que le capable baï raison de espérance qui dans lui même non. En sorte que lorsque vous mando pour qu'il soit croire dans bon Dieu, pour qu'il soit croire dans Jésus-Christ, le soit capable dit pour qu'il soit croire. Et faut me dire nous son belle expérience ou capable faire lorsque ou capable bailler une défense de raison qui dans ouan, de espérance et qui dans ouan. Des grand pile difficulté lorsque me river dans des milieux, lorsque vous mandé est-ce que c'est chrétien mieux mal à l'aise parce que me pas capable justifier pour qui ça me croire. J'étais professeur dans une université Belgique et que m'a regardé différents autres professeurs des fois yo voulaient questionner me sous foi mais mal à l'aise pour que me capable dire que me c'est chrétien parce que m'pa gain argument pour ça
Donc je ne suis pas capable de faire ça. Même lorsque je sanctifie Christ dans le cœur, lorsque je pose une question, je suis mal à l'aise pour qui ça? Parce que je ne suis pas prêt. Et que je ne suis pas fait de voix de mes hommes. Il y a un outil que je vais recommander pour que nous soyons capables de prêt. C'est que ça, l'année dernière, enfin pas l'année dernière, décembre 2018, lorsque je suis conscient du problème ça qui vient dans la communauté chrétienne, en sorte que le monde n'est pas capable d'expliquer la raison qui fait au coin dans bon Dieu. Donc là, ça a créé une application qui est l'Apologia, APP-O-LOGIA, et qui est disponible, qui est capable de télécharger sur téléphone Android, sur téléphone iOS, iPhone, et qui lui-même a une série de conférences apologétiques. Il y a près de 24 conférences apologétiques. Et conférences où il traite des sujets qui ont à toute objection que le monde est capable de gagner sur la foi chrétienne. Et toute objection, ça, yo, moi rejeté yo au nom de Jésus. Et moi rejeté yo évidence à l'appui, vient avec des évidences historiques, vient avec des évidences archéologiques, des évidences logiques, des évidences philosophiques, des évidences bibliques pour la foi chrétienne. Parce que la réalité, chers amis, c'est que la foi chrétienne, dans mais nous tendez ça. La foi chrétienne, foi ça que nous partageons en Jésus-Christ. C'est celle lui-même qui scientifiquement vérifiable. C'est celle lui-même qui historiquement viable. C'est-à-dire que son bagage qu'on capable expliquer, son bagage qu'on capable démontrer toute l'autre religion yo chita uniquement sous son senti sous cœur. Mais cependant pour ceux qu'il s'agit de la foi chrétienne, bon Dieu ba nous opportunité que foi nous son bagage que nous capable expliquer. Lorsque Luc a écrit l'évangile là, Luc dit que Jésus-Christ fait sous tel gouvernement, mais qui est-ce qui était gouverneur, mais qui est-ce qui était empereur, mais qui est-ce qui était procureur, mais il citait tout dignitaire, il citait contexte, dans le sens que Luc lui présente l'évangile dans une dimension, si vous voulez, historique, dans une dimension et dans le temps et dans l'espace. Qui ça veut dire? Ça veut dire que si on fait investigation en tant qu'historien, en tant qu'archéologue, on va joindre bagaille exactement Jean-Luc te dit. Ça veut dire que foi noire est vérifiable. C'est-à-dire que je suis capable de vérifier, c'est-à-dire que je suis capable d'explorer, c'est-à-dire que je suis capable d'investiguer. Et c'est ça que Pierre a expliqué nous lorsque il dit que nous besoin toujours prêts pour que nous capable bailler raison, parce qu'on capable retracer la foi chrétienne à partir du judaïsme, parce que le christianisme sont extension de judaïsme. Donc on capable retracer depuis dans Abraham, on capable retracer ou passer par Moïse jusqu'à ce qu'on arrive dans Jésus-Christ, ou arrive dans apôtre, jusqu'à ce qu'on arrive dans l'église, on capable faire travail d'historien ça. Donc on capable expliquer qui côté le sorti. C'est même j'ai des fois m'gain tout à l'heure m'tab dit nous gain deux monde qui dit que le christianisme et son religion importée d'Europe. Mais c'est parce que on pas fait de voix de maison yo. Si on t'a fait de voix de maison, on t'a réalisé que le christianisme était en Afrique avant dans l'Europe. Donc si on religion effectivement qui sont religion africaine, c'est le christianisme et c'est pas le vaudou. Parce que vaudou lui-même on capable retracer la Babylone côté monde t'a adoré des faux dieux. Donc on capable retracer dans l'époque ça, mais si on cherche une religion qui véritablement africaine, si on dit que Soussou c'est l'Afrique et que vous voulez faire un retour vers ancêtre yo, c'est dans le christianisme qu'on tombe. Mais en pile monde pas connaît bagaille ça pour qui ça? Parce que on pas fait devoir de maison yo. Mais la Bible exhorte moi avec yo. Dans verset ça, il dit nous sanctifier Christ dans cœur nous. Et le ça nous besoin toujours prêt pour que nous capable bailler en défense, c'est-à-dire une apologia avec douceur et avec respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je souhaite que mon Dieu est capable de bénir. Je souhaite que l'objectif pour matin ça, c'est que je suis capable de lui mon flamme dans que chaque monde là y ont passion pour l'étude de la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas deux passions. Son seule passion, c'est étudier la parole.
Même Jean-Paul dit, je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Parce que Christ dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Donc, bon Dieu voulait que vous connaissiez la poursuite de la vérité, le supposé objectif, la vie. Ou vivre seulement pour ça, ou vivre pour la vérité, ou vivre parce qu'on voulait connaître la vérité. Et la vérité, ça, c'est ce qui va rendre nous libres. C'est lorsque le monde pense, la Bible dit, répond à l'essentiel selon sa folie. En sorte que pour ne pas considérer comme sage, bon, c'est bon, avoir nous une responsabilité conseil de monde, nous besoin de fermer bouche. Parce que par contre, ça a dit. L'apôtre Paul dit, il parle d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Ils ne connaissent pas bagaille ça. Yo. Mais dans l'esprit, ils pensent que nous connaissons bagaille. Nous avons une responsabilité pour nous fermer bouche. Parce que nous c'est sel et nous c'est lumière. Et moi, je dis, si ce n'est pas nous-mêmes, c'est qui est-ce? M'estimer que nous-mêmes, chrétiens, nous baillons trop espace. Nous supposons occuper plus espace pour la défense de la foi chrétienne. Exposer vérité que nous croyons. Et c'est ça, Jude dit nous. Jude invite nous pour nous combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et foi, ça, bon Dieu légue à nous-mêmes, non génération. Donc nous avons responsabilité pour nous baillons défense de la foi chrétienne. Et comment on a fait? N'a pas fait lorsque nous parions, nous. Comment n'a pas fait? N'a pas fait avec douceur et avec respect. Parier, vous l'avez dit, il y a des outils qui existent, il y a des outils qui sont disponibles. Et il n'est pas trop tard pour commencer. Vous êtes capable de commencer très bonheur. Même si vous avez même commencé à initier dans la défense de la foi chrétienne, très bonheur. Vous avez commencé à lire un paquet de livres épais sur la défense de la foi chrétienne. Parce que vous connaissez pas le bon temps. Le ça, tout le monde qui passe solide. Ou après, ils vont côté, ils boivent. Ils ne sont pas même capables de dire que c'est chrétien. Parce que tout simplement, son bagage ou juste senti sous cœur, ils ne sont pas capables de faire raison de l'espérance qui est même. Je souhaite que chaque monde est capable de faire de la poursuite de la vérité. Objet passe-temps. En sorte que pour capable toujours prêt, lorsque un monde demande raison de l'espérance et qui est même. Je souhaite que mon Dieu est capable de bénir en sens ça, qu'on est moins disponible. Pour que moi capable recevoir des questions que nous capable gagner sous exposé et des questions qui liées avec la foi chrétienne ou bien toute l'autre bagaille que nous capable poser qui gagne ouais avec et parole mon Dieu. Merci. Que mon Dieu bénisse nous. Encore vos applaudissements, s'il vous plaît. Docteur Gilles, on va poser n'importe question concernant ce sujet. Donc, nos amis, nous remercions. Bon Dieu, nous remercions Docteur Gilles. Eh bien, nous allons passer code blessant. Et justement, pour le monde qui a fait lecture. Oui, pour lecture. Question, vous commencez? Vous prêts? Les amis auditeurs nous ont appelé que vous avez fait depuis le 18 juillet 27 dans la question et conférence, c'est le docteur Leslie Gilles qui a parlé, qui fait se exposer comment défendre sa foi chrétienne avec conviction et fermeté. Donc, vous arrivez juste un moment à recueillir des questions. De la part des fidèles, des adorateurs de l'Église de Dieu, de Delma 17 et tout le monde qui est intéressé, ou qui a joint, ou qui a bénéficié de conférences. On va contacter le secrétariat de l'Église de Dieu de Delma 17. Bon Dieu bénis-nous. Première question, on a posé à Pasteur là que. Docteur Jules, que yon membre l'église l'a posé. Il dit que lycée est étudiant et en pile fois, il veut perdre la foi à cause quelques professeurs faculté qui toujours dit étudiant yo, yo fait reconnaître que bon Dieu pas existé. Il t'a aimé joindre un conseil parce que en pile fois lui-même, il veut perdre la foi. Il pas connaît qui ça pour lui répondre par rapport à ça.
m'a continuer pendant que docteur l'a noté pour nous. Il y a une autre question. Pasteur, est-ce que bon Dieu voulait pour tout le monde sauver? Si oui, pour qui ça, toute misère ça est sous la terre? Alors, il y a un monde qui peut sauver, est-ce que c'est parce que il pas croire dans bon Dieu? Ou bien c'est en fait si oui pour qui ça toute misère ça sous la terre parce que il y a monde qui pas sauver pas parce que pas croire dans bon Dieu mais c'est misère qui cause que pas sauver. Ça c'est question n'a bay docteur Jules possibilité pour le répondre et n'a continuer avec l'autre question. Comment? Continuer la question. Il va continuer, OK. Troisième question, pour qui ça, bon Dieu, refuser exaucer prière au monde qui a demandé un bagage pour qu'il puisse mieux servir, alors que il dit dans la parole, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que pas une contradiction dans ça, bon Dieu dit, parce que les gens demandent un bagage pour besoin pour servir plus bien? Et puis, il n'y a pas de parole, alors que la parole dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'autre question que m'a posé, question qui est assez vaste, en quoi consiste l'amour de Dieu? En quoi consiste l'amour de Dieu? Et pour série ça, on a terminé avec question ça. Bible dit que bon Dieu aime tout le monde et que il voit petit li Jésus pour sauver nous. Mais même Bible dit que il y a un monde qui est élu et que quel que soit Jean Saillé l'a sauvé quand même. Monde qui pas élu hein, qui ça a fait? Est-ce que pas gain raison douter de amour ça? Bon faut y reprendre rapidement. Bible dit que bon Dieu aime tout le monde et que li voye petit li Jésus pour sauver nous. Mais dans même Bible, il dit que gen moun ki élu et quel que soit Jean Saillé, moun sa yo y a sauvé quand même. Moun ki pa élu yo, ki sa y a fait? Est-ce que yo pa gen raison pour yo douter de amour ça? Docteur Jules a répondu pour nous. Merci beaucoup pour question yo. Merci mais que c'est très belle question et me féliciter et qualité question ça yo que nous poser. Première question c'est sous qui base me connaît que bon Dieu existait. On dit que me pas gain Bible nan même et me pas gain la Bible, comment me t'a fait connait et que bon Dieu existait? Qui t'aime commencer dans la Bible après ça m'a sorti la donne. Paul a expliqué dans livre Romains, il a expliqué que les perfections invisibles de Dieu, Romains 1er 19 20, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que Paul a exprimé le fait que même lorsque yon moun pa ta gen Bible nan mel, par le fait que le capable, par le fait que li exposé au firmament, par le fait que li exposé à la création, par le fait que li wè gon lòd nan création hein, et tout côté gon lòd ou besoin gon moun ki pou capable mete lòd ça, parce que lòd pa existé de par lui-même. Toutes les fois que wè gon design, toutes les fois où est que on conception intelligente ou supposé penser à un concepteur intelligent. Donc lorsque on observe l'univers, où est qu'on l'ode, où est qu'on design et où besoin nécessairement penser à un concepteur intelligent derrière ça et ça son bagage qui simple. C'est comme si on t'a dit lorsque Enoch a levé, Enoch observait l'univers. Enoch ouais bon Dieu dans l'univers même lorsque on porte une révélation spéciale en Jésus-Christ. En général théologien ont présenté il y a deux types de façons que bon Dieu révèle, il y a la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Ensuite il y a la révélation spéciale de Dieu dans les écritures et en Jésus-Christ. La révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, il suffit pour faire croire que bon Dieu existait. Parce que automatiquement ouais l'ordre ça, automatiquement ouais conception ça, ou nécessairement besoin penser à l'existence de Dieu. Ça c'est argument biblique là. Argument philosophique qui existait pour ça, c'est ça aurait les arguments cosmologiques
pour l'existence de Dieu. Sous qui ça argument ça, Chita? T'es qu'on le, tout le monde te pensait que terre, que l'univers, l'éternel, l'est tout simplement là, l'existait de par lui-même. Alors que la Bible t'a tenté annoncer des milliers d'années auparavant, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque on lit le premier verset ça dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre, il fait référence à toute création, il fait référence à tout ça que bon Dieu fait, que ça soit le monde physique et matériel, que ça soit le monde immatériel et invisible. Toute la création et toute bagaille ça c'est Jésus-Christ qui fait. Selon que la Bible dit, pas grand qui t'est fait sans lui-même. Maintenant, pendant que la Bible t'a dit à l'avance que c'est bon Dieu qui crée bagaille ça yo, mais tout athée, en pile scientifique yo, yo te croit que Dieu c'était éternel jusqu'à ce que yo vienne découvrir que te gon l'œil pas t'exister, elle vienne exister. Maintenant, toutes les fois où vienne yon bagaille qui pas exister qui vienne exister, c'est-à-dire que qui commençait exister, li besoin yon cause pour existence li. Pour qui ça? Parce que un yen pas capable d'exister de par lui-même. Et ça son bagay naturel, soit gade tout objet qui nan sal sa, te gon lèl pat la, te gon lèl vin la, li te besoin moun fèl. Même jan avec l'univers, puisque te gon lèl pat la, gen yon lèl vin la, et lorsque l'univers l'a créé à l'existence, donc bon Dieu, te besoin lui-même à la base de lui-même, parce que ou besoin capable d'expliquer le. Maintenant, il y a des hommes de science qui disent que c'est le Big Bang et qui si vous voulez, qui raison, qui cause que l'univers vient à l'existence. Mais on comprend que Big Bang, il n'y a pas l'autre bagaille que une explosion. Maintenant, il y a une explosion besoin cause, parce que une explosion n'est pas capable de faire pour contre lui. Dans la mesure où une explosion besoin cause, eh bien, nous-mêmes nous disons que sous un Big Bang, il faut un Big Banger. Et Big Banger, ça, c'est bon Dieu. Parce que vous besoin cause pour capable expliquer la venue à l'existence de l'univers. Donc sous base argument ça, argument cosmologique que Paul t'a tenté présenter et que la science vient découvrir plus tard, et faut me dire nous toujours dit hein, lorsque un pile scientifique a observé l'ordre dans l'univers, il a observé complexité qui gagne dans l'univers, il a suivi son les calibrages qui existaient dans l'univers en sorte que toute asio distance qui sépare yoa son distance s'il était plus s'il était moins par exemple distance qui sépare Terre avec soleil là si Terre était 1 millimième proche de soleil là pas bien la vie sur la Terre tout le monde t'a boulé et s'il était un petit crasse trop très le m'a dit un petit crasse pensez à un 13 cheveux pensez à distance un 13 cheveux s'il était plus rapproché plus éloigné toute bagaille t'a fait neige s'il était très loin s'il était très proche toute bagaille t'a boulé. Donc lorsque y a suivre calibrage ça, yo dit que calibrage ça ou besoin yon concepteur intelligent de yel. Donc ou besoin yon intelligence supérieure qui à la base de ça. Et donc homme de science yo, yo pas posé question est-ce que bon Dieu existait encore? Yo posé question qui type de Dieu qui existait? Parce que yo fini par admettre que complexité ça que vous regardez a ou besoin nécessairement bon Dieu. C'est même j'aimerais mettre par exemple lorsqu'on regarde un smartphone, pour un smartphone, monde qui fait téléphone a besoin smart, aussi simple que ça. Pour un type de complexité ça dans l'univers, on nécessairement besoin l'existence de un bon Dieu qui sont cause première et qui sont cause principale à l'origine de l'univers. Deuxième argument que en général il présenté et que Paul est prêt à le présenter dans Romains chapitre 2 verset 14-15 et c'est l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu. Lorsqu'on parle dans Romains 2 14-15, Paul a exprimé le fait que païen yo même si yo pa konnen bon Dieu, yo gon loi nan cœur yo qui cap accuser yo constamment. C'est-à-dire que constamment chaque monde gon loi nan cœur et quitte me trouve en parenthèse. Bah c'est grand pile monde qui pral comprendre on nuance dans ça que m'a dit. Gen chaque ton pral font mauvais bagaille, qui senti cœur cassé par ça. Non, ou senti cœur cassé parce que pral font mauvais bagaille. Il y a des gens qui traduisent cœur cassé ça par le fait que vous avez cet esprit bon Dieu dans la vie. Non. Cœur cassé parce que bon Dieu inscrit loi morale dans vous-même. Et c'est ça que Paul a expliqué dans Romains 2, 14, 15. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font ce que demande la loi, ils ont pour eux-mêmes une loi dans leur conscience et leur conscience s'accusant et se défendant tour à tour.
C'est-à-dire que même païen, hein, alors païen qui pas tuer conscience li, parce que sous tuer, ou pas bien que casser ça. Donc toutes les fois que conscience ou pas tuer, ou pral fond bagay que a cassé quand même. Donc que casser a, li pas yon évidence, li pas yon indicateur que ou gen cet esprit bon Dieu dans la vie, ou, mais elles sont indicateurs que loi bon Dieu inscrit en dans cœur. Et c'est en vertu de loi ça que on connaît que bon Dieu existe. Parce que cet esprit font l'autre travail dans la vie, non. Wall Saint-Esprit bon Dieu dans la vie nous c'est pas faire que nous casser. Wall Saint-Esprit bon Dieu dans la vie nous c'est d'abord dans la vie de non croyants, c'est convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais pour le croyant, la Bible dit nous que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est pas dans le cadre que casser le fait. Que casser parce que loi bon Dieu inscrit dans nous-mêmes et parce que loi bon Dieu inscrit dans nous-mêmes ou inexcusable. Parce que Paul a présenté que la connaissance du péché sont connaissances qui intuitives ou gagnent dans ou même intuitivement, c'est même genre intuitivement qu'on est 2 plus 2 égale à 4. Son connaissance intuitive. Donc dans ce sens ça, puisque ou gagne loi bon Dieu inscrit dans ou même, or nous admettre que tout côté gon loi ou besoin qui ça? Ou besoin législateur, ou pas capable gagne loi sans législateur. Donc par le fait qu'on a une loi dans conscience ou cap dicter qui ça qui bien qui ça qui mal ou besoin législateur suprême et législateur ça y aurait l'Éternel des armées. Donc dans ce sens ça on prouve par A plus B que ça soit de manière logique, de manière biblique que bon Dieu existait et même si on pas de la Bible dans main on par le fait que bon Dieu révélé de manière générale dans la nature et dans la conscience ou t'as toujours débouché sur l'existence de Dieu. Et c'est ça qui fait Enoch, tu es capable de connaître que bon Dieu existait. Et c'est ça qui fait toute l'autre patriarche, tu es capable de connaître que bon Dieu existait avant que Moïse t'ait révélé le bon Dieu dans la loi et avant que vous ayez les prophètes et donc avant que vous ayez l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc dans ce sens-là, existence bon Dieu, son bagage qui est indiscutable et son bagage qui est incontestable. Et pas de monde qui est capable de contester. Il y a un monde qui est tout bon. Qui a tout bon sens li. Et c'est ça qu'il faut après la Bible pas font effort pour le prouver que bon Dieu existait. Si vous pas laisser prouver existence bon Dieu à travers la Bible, ou échouer en la grand parce que la Bible pas essayer prouver que bon Dieu existait parce que la Bible dit seul l'insensé peut dire en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Donc pour bon Dieu, c'est seulement du sous-ta insensé, c'est-à-dire que sous-ta en dehors de sens ou pour être capable de dire que bon Dieu pas existait parce que tout le monde qui a des yeux. Tout le monde qui, même si vous n'avez pas de yeux aveugle, tout le monde qui est doté de raison, tout le monde qui a une loi morale en de conscience, va admettre que bon Dieu lui-même existe. Donc, ça, ce n'est pas un sujet de discussion encore. Le monde qui est capable de faire discussion ensemble avec lui, c'est parce que tout simplement, il n'est pas doué de bon sens. Parce que bon sens et fait tout le monde d'accord l'existence de Dieu. Deuxième question, c'était pour qui ça, et pour qui ça tout le monde n'est pas sauvé? Et si bon Dieu voulait que tout le monde sauve, volonté bon Dieu c'est que tout le monde sauve. C'est ça que bon Dieu voulait. Mais cependant, pendant que bon Dieu voulait ça, bon Dieu rend ça possible à travers Jésus-Christ. En sorte que pas gain l'autre nom qui baille sous terre pour que monde capable sauver autre que le nom de Jésus-Christ. Cependant, pour monde accepter Jésus-Christ, les besoins font choix pour bon Dieu. C'est-à-dire que les besoins exercés ont l'autre cadeau que bon Dieu baou en plus de Jésus-Christ. Bon Dieu baou l'humanité tout entière un cadeau spécial. Cadeau ça relé le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir. Donc bon Dieu baou tout le monde cadeau ça parce que sans le libre arbitre, on pas capable ni aimer bon Dieu, ni haïr bon Dieu. On pas capable fanyer quel que soit sort fait sous terre, elle fait à partir de libre arbitre, il fait à partir de l'expression de une volonté que mon gien pour faire bagaille. Et bien pour un monde sauvé, faut le manifester volonté pour le sauver. Parce que bon Dieu pas sauver monde contre eux-mêmes, il pas sauver monde malgré eux-mêmes. Et tout à l'heure m'va retourner avec question sur élection que vous t'ai posé tout à l'heure. Donc puisque bon Dieu pas sauver au malgré eux-mêmes, bon Dieu a sauvé avec vous, c'est-à-dire avec collaboration, avec participation ou dans l'obligation pour exercer libre arbitre, liberté pour choisir bon Dieu, même Jean le dit. Voici, je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras.
Mais bon Dieu va pas le forcer ou, parce que bon Dieu pas un violeur. L'amour forcé son viol. Bon Dieu pas les forcer personne remel. Bon Dieu voulait que si ou ap remel à cause de propre volonté pa ou. Donc ou choisi pour aimer bon Dieu. Parce qu'on choisit pour aimer mon Dieu, aimer mon Dieu. Il y a des gens qui choisissent pour détester mon Dieu, Dieu déteste mon Dieu, c'est choix. Au final, bon Dieu pas voué personne dans l'enfer. Déjà, l'enfer pas fait pour l'homme. La Bible dit l'enfer est fait pour le diable et ses anges. Donc bon Dieu pas de l'enfer dans le programme ni pour l'homme. Mais cependant, l'homme choisit l'enfer. Donc tout le monde qui est dans l'enfer, c'est le monde qui dit bon Dieu, je ne veux pas volonté pas au fait dans la vie. Or bon Dieu, en tant que bon gentleman, sou choisi pour honorer, l'a honoré ça. Sou choisi pour pas honorer, l'a honoré ça. Et donc comme ou choisi pour pas honorer bon Dieu, ou dit bon Dieu, m'pa vle volonté ou fait dans la vie, et bien bon Dieu dit que volonté pas ou fait dans propre la vie ou. Et donc le sort ou dans l'enfer. Donc c'est comme ça mon échoué dans l'affaire, mais bon Dieu pas vous et mon dans l'affaire parce que volonté bon Dieu, c'est que tout le monde sauvé, mais cependant tout le monde doté, tout le monde doué de libre arbitre. Yo capable utiliser libre arbitre soit pour aller dans le ciel soit pour aller dans l'enfer. Donc au final, il dépend de vous-même. Il dépend de façon que vous répondez à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans la révélation générale, l'appel de Dieu dans la révélation spéciale et même l'appel de Dieu dans la révélation particulière que bon Dieu capable faut bon conviction que vous besoin suivre lui. Troisième question c'était alors, bah c'est troisième question a un rapport avec deuxième là c'est pour qui ça tout misère ça si que bon Dieu voulait et que on monde sauvé misère que ouais sous terre il gain a ouais si vous voulez à mauvaise utilisation de libre arbitre non dit commencé depuis Adam et Ève et peut-être me font ouvrir parenthèse tout être que bon Dieu créé l'a mettait là l'épreuve automatiquement bon Dieu fait une créature l'a testé quand même lorsque bon Dieu créé toutes anges la Bible pas dit qu'il est bon Dieu créé anges. Mais lorsque bon Dieu crée les anges, bon Dieu mettait eux à l'épreuve. Lorsque le mettait eux à l'épreuve, parce que c'est dans sa nature, depuis le créon être, faut le mettre à l'épreuve aux bons anges qui lui même choisi pour le rebeller contre Dieu. Il pas passé test là. Et lorsque il pas passé test là, il entraîné ensemble avec lui le tiers des anges. Donc on a le tiers des anges qui pas passé test là. Mais on a deux tiers anges qui passé test là. Lorsque bon Dieu fait Adam et Ève dans jardin, bon Dieu mettait plusieurs bagailles dans le jardin pour que Adam et Ève capables de jouer, enjoy, prendre plaisir. Mais cependant, il y a une seule restriction. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement un test que bon Dieu te met dans le jardin pour que l'homme soit capable de choisir volontairement. Bon Dieu ne voulait personne choisir par contrainte. Il voulait pouvoir choisir ou choisir volontairement. Mais cependant, nous avons une histoire. Lorsque serpent vient tenter Adam et Ève, il fait le connaître que bon Dieu pas dans intérêt, il fait le connaître que si bon Dieu te remet, bon Dieu t'a bal accès à connaissance bien et du mal là. Même ça l'a fait pour nous aujourd'hui. Il pas dit non que si bon Dieu te remet, nous pas quitter bail ça arriver nous. Si bon Dieu te remet, nous situation nous pas comme ça. Si bon Dieu te remet, nous tout monde t'a millionnaire, c'est pas ça il dit nous. Donc tout monde prend le même piège là. Donc vous pensez que bon Dieu a qu'est mon bagage jalousement il va vouloir gain accès à lui-même. Et puisque c'est qu'on sort quoi ça bon Dieu baba on va le chercher nous-même. Et c'est ça Adam et Ève. Ça bon Dieu baba yo que yo kwè tap bon pour yo parce que dans esprit yo yo kwè que gon bagay k'ap bon pour yo par rapport à ça que bon Dieu offre yo à eux même. Et donc il a cherché ça que bon Dieu baba yo et donc yo pas passé test là. Lorsque yo pas passé test là, gen deux bagay qui viennent passer. Premier bagay qui viennent passer c'est que bon Dieu li maudit terre. Expression que la Bible utilisait que Dieu maudit le sol. Sol, ça, c'est pas lui-même qui traduit par en bas terre pour agriculture. C'est lui-même qui traduit planète terre, là. Et c'est ça que Paul a expliqué, là, dit que la terre tout entière, la création tout entière, elle a soupiré les douleurs de l'enfantement à cause de celui qui l'a soumise à la vanité. Donc, bon Dieu soumet terre à la vanité. Puisque bon Dieu soumet terre à la vanité, qu'on y a là, on peut joindre des conséquences naturelles de choix, ça. Donc, ça mène nous à parler de deux types de mal. Ou bien un mal qui sont mal moral qui résulte de utilisation abusive de libre arbitre que bon Dieu ba nous parce que gen mal sous terre c'est parce que moun fait mal terre a gen assez de ressources pour tout moun k'ap vivre sous terre mais cependant on capable jwenn un groupe moun qui accaparé en quantité ressources et que kounya k'ap dominer sous moun pendant que bon Dieu te rele l'homme pour l'homme te capable dominer sur les choses sur la création kounya rejoindre l'homme k'ap dominer sous l'homme. Or Salomon dit que
J'ai vu un mal grave sous le soleil où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Automatiquement, il y a la domination de l'homme par l'homme ou il y a un malheur qui est arrivé sous terre. Donc, malheur qui est sous terre, misère qui est sous terre, il n'y a pas rien avec bon Dieu, mais il y a l'expression de libre arbitre nous, que nous utilisons de manière abusive, qui fait que péché entre dans l'histoire de l'humanité et que Kounia qui vient faire que terre, lui même lui maudit. Et c'est ça qu'on a toute douleur ça a sous la terre. Mais ce n'est pas un indicateur contre l'existence de Dieu. Au contraire, le christianisme, c'est seule religion, si vous voulez, qui adresse le problème du mal. Parce que toute autre religion n'a pas qu'à adresser. Souvent, dans un athée qui côté mal sorti, athée a dit que mal, ce n'est pas un bagage qui existe vraiment. Et le mal est tout simplement ces gènes dans nous-mêmes et qui fait nous font série de bagages. Donc l'homme est le produit de son milieu. C'est juste nous-mêmes qui font série de bagages, nous fait mal, mais il n'a pas qu'à expliquer pour qui ça que le monde fait mal. Athée n'a pas qu'à expliquer pour qui ça chaque jour dans le cœur nous c'est mal qui monte. Il n'a pas qu'à expliquer pour qui ça n'a pensé uniquement au mal. Et il y a un auteur qui dit que dans une journée, l'homme fait 80% mal et 20% bien. Et 20% bien, il fait le mal. Donc, c'est-à-dire que c'est mal net. Pas de monde qui a expliqué, sauf le christianisme. Athée n'a pas qu'à expliquer. Hindouisme, bouddhisme n'a pas qu'à expliquer. Il y a tout simplement dit que ça n'a pas existé. Il y a tout simplement dit que ça, son illusion, son maya. Donc, li purement illusoire ou pas qu'à expliquer. Donc, ou bien le christianisme, qui c'est la seule religion qui existe sur la terre et qui est capable de bailler une réponse objective et par rapport au mal, parce qu'il n'a pas fui. Non, mais nous comprenons que le christianisme n'a pas fui question difficile. Pas grand raison pour nous fuir question difficile, parce que la Bible a une réponse à toute question. Ou seulement besoin de passer temps là-dedans, ou à étudier, même Jean-Apôtre Pierre dit, ou à préparer, en sorte que l'heure au de raison, de espérance qui n'a ou même n'a pour capable de bailler. L'autre question, c'est pour qui ça. Pour qui ça, bon Dieu, refuser, exaucer, prier nous? Et alors, raison pas, c'est que l'apôtre Jacques dit que prier nous pas exaucer parce que nous prions mal. Et dans le but pour nous satisfaire pour passion. Nous. Et récemment, nous avons fait une étude et nous avons expliqué que il y a un peu de monde qui manque et comprendre et qui ça veut dire prier au nom de Jésus. Et il y a des monde qui prend le nom de Jésus comme un mot magique. Donc pour eux-mêmes, ils sont capables de demander bon Dieu, ça y est. Il suffit que leur conclu prière, ils disent au nom de Jésus, ils sont supposés joindre. C'est comme si nous avons dit, on a à genoux, on a dit, bon Dieu, nous avons tué ennemi pour moi. Nous avons disparaître sous la terre, au nom de Jésus. Alors que Jésus a dit que c'est pour aimer ennemi et c'est pour faire du bien à mon cap maltraité ou cap persécuté. Donc, prier au nom de Jésus, vous l'avez dit, prier selon la volonté de Jésus. Prier au nom de Jésus, vous l'avez dit, prier comme Jésus lui-même aurait prié. C'est-à-dire que si c'est Jésus qui t'a prié, c'est comme ça t'a prié. Donc lorsque vous priez comme Jésus aurait prié, lorsque vous priez selon la volonté de Jésus-Christ, c'est vraiment difficile pour ne pas joindre ce que vous demandez. Parce que bon Dieu invite vous pour mettre là l'épreuve. Et bon Dieu dit vous demandez, vous avez joindre. Il dit vous frappez, ma pouvait pour vous. Donc c'est très difficile pour que vous priez selon la volonté de Jésus-Christ. Et qu'on ne pas joindre une réponse à prier ça. Peut-être réponse ça capable pas aussi immédiate que tu as remis. Parce que bon Dieu a un timing pas. Timing pas ou pas timing pas bon Dieu. Et donc bon Dieu a répondu prier ça dans timing pas. Mais pour répondre prier ça, il faut que prier ça fait au nom de Jésus. C'est-à-dire selon la volonté de Jésus-Christ. Donc il faut prier comme Jésus lui-même il t'a prié. M'a tourné sur le divin dernier. L'autre question c'est en quoi consiste l'amour de Dieu? Bon, c'est la Bible répond à cette question ça déjà. Il dit l'amour de Dieu consiste au fait qu'il a envoyé son fils mourir pour nous. Donc c'est plus gros expression l'amour ou gain dans la Bible et c'est plus gros expression l'amour que ou gain dans toute l'humanité tout entière. Et son gros expression. Moi me dit que et en pile monde pas réaliser que lorsqu'on regarde la Trinité son communauté, qui constituée de trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Yo tous les trois c'est bon Dieu, tous les trois partagent même essence. La Bible présente la Trinité comme une communauté d'amour. Donc dans la Trinité, le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Fils et vice-versa. Donc son communauté d'amour, puisque son communauté d'amour, donc bon Dieu t'a tenté épanoui dans la communauté ça. C'est-à-dire que bon Dieu pas créé l'homme parce que bon Dieu t'est senti seul dans l'univers, comme si bon Dieu t'ait besoin de compagnie.
Et donc, il peut créer l'homme pour le capable bien compagnie. Non. Bon Dieu t'es un temps pleinement épanoui en tant que Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu pas créé nous par nécessité. D'ailleurs, nous avec moi dans ça. Bon Dieu pas créé nous par nécessité. Bon Dieu pas créé nous parce qu'il a des besoins. Bon Dieu créé nous comme l'expression de sa volonté pour sa gloire. C'est pour ça nous toutes là. Et c'est ça que un monde qui pas rendre gloire à bon Dieu, raison qui fait bon Dieu te créer ou là pas exister. Parce que tout le monde créé pour la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous tout le monde là pour ça. Pour sa gloire et non pour gloire personnelle. Maintenant, yon bon Dieu, mais nous comprenons ça. Yon bon Dieu qui pas besoin, parce qu'on pas qu'à faire un pour lui. Il dit que s'il t'a pas acheté crédit, il n'a pas venu acheter. Donc, un bon Dieu qui pas besoin, mais qui cherche chaque jour. Nous allons trouver ça son merveille. Yon bon Dieu qui pas besoin de faire rien pour lui, qui pas besoin pour faire rien pour lui, mais il bail la ville quand même pour vous-même. Son bail extraordinaire. Et c'est ça que fait Jésus-Christ dit, il y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça que bon Dieu fait. Donc l'expression de l'amour de Dieu, c'est le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que lorsqu'on pas aimable, pas gen moun la pas aimable, c'est on yo. Sou t'ap gade m nan adolescence moi, nan jeunesse moi, ou ap réaliser que monsieur pas aimable. Mais cependant que m'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Donc c'est-à-dire que l'expression de l'amour, Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Moi-même avec nous pas capable de comprendre dimension l'amour bon Dieu si pas de Jésus-Christ. Si nous capable de comprendre qui ça Jésus-Christ subit pour nous, qui ça le prend pour nous. Et c'est ça que Paul, lorsque Paul a considéré bagaille ça, Paul réalisait que puisque Christ dit bah la ville pour nous-mêmes nous besoin pas tout nous-mêmes pour lui et que nous pas le choix. Et c'est ça il dit lorsque il dit l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et donc nous avons responsabilité ça et c'est ça que fait lorsque nous faisons bagaille pour bon Dieu, nous pas faire pour bon Dieu capable ba nous en bagaille en retour, mais nous faire uniquement par gratitude. Des fois nous pas connait des monde qui dit Seigneur mais louange ou ben délivrance moi dans plat même. C'est comme si ma bonne louange dégage ou ben délivrance comme si bon Dieu gon dette pour le payer connait. Non. Tout ça fait pour bon Dieu, fait par gratitude. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc c'est par gratitude, c'est parce qu'on reconnaissant qu'il faut observer. Ou pas observer bon Dieu pour bon Dieu qui a béni ou, mais on observer bon Dieu parce qu'on reconnaissant pour ça le fait pour vous. Parce qu'on béni déjà. Parce que c'est des monde qui béni. Parce que non inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ou pas qu'être bagaille. Parce qu'on pile monde pas réalisé ça captant non. Et c'est ça que Paul dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues et qui ne sont point montées dans l'entendement de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas extraordinaire. Donc bon Dieu témoigne l'amour pour nous-mêmes. Nous pas besoin de doute sur ça. Et c'est plus mauvais bagaille où tu es capable de faire bon Dieu dans marche avec lui lorsque vous doutez de bonté bon Dieu. Lorsque vous doutez de l'amour bon Dieu. C'est seul bagaille où vous mettre en doute. Peut-être vous capable de mettre ton texte en doute parce qu'on pas fini comprendre, mais c'est pas grave. Mais l'amour bon Dieu, son bagage moi-même avec vous, pas supposé mettre en doute parce que bon Dieu bail preuve là déjà. Maintenant, question c'est si on monde pas élu, si on monde pas élu, c'est que le pape sauvé. Et indépendamment de ça que monde ça était capable faire, indépendamment de ça que monde ça était capable croire. C'est extrêmement important pour comprendre la doctrine de l'élection. Peut-être m'pas bien assez de temps pour m'exposer sur ça et dans réponse que m'a baillé, mais comme on était dit nous gagnons application qui relait apologia app-o-logia. Moi gagne une conférence que me traiter sous thème ça sur la doctrine de l'élection pour que monde capable vraiment comprendre. Doctrine est-ce que on sauve net ou bien est-ce qu'on capable perdre du salut, est-ce que bon Dieu relait ou est-ce que gagne monde bon Dieu pas relait, est-ce que gagne monde cap servir bon Dieu mais non yo pas inscrit parce que yo pas élu. Ou avoir une réponse à toute question ça yo dans conférence ça qui sous apologia app-o-logia. Mais rapidement, je suis capable de bonne réponse. Pour capable comprendre la doctrine de l'élection, il faut qu'on connecte avec la préscience de Dieu.
bon Dieu siéger dans son réunion éternel présent. C'est-à-dire que pour bon Dieu, pas un passé, pas un futur. C'est ça que fait la Bible dit, il annonce la fin avant le commencement. Bagay la poko fini, il poko commencer non bon Dieu qui a dit mais comment l'a fini? Parce que c'est comme ça le siéger, il siéger dans l'éternel présent. Puisque bon Dieu siéger dans l'éternel présent, bon Dieu lui possède son relé préscience. Donc dans sa préscience, bon Dieu connaît tout le monde qui va le croire. Bon Dieu connaît tout le monde lorsque il recevoit message ça. Lorsque vous recevez révélation ça, lorsque vous recevez conviction du péché ça, que l'esprit bon Dieu bail, bon Dieu qui t'a connu tout le monde qui va le croire, et puis celui qui t'a connu tout le monde qui va le croire, l'esprit non dans le livre de vie. Hein? Donc ou élu selon la préscience de Dieu, ou pas élu parce que bon Dieu prédestiné, c'est quoi? Et c'est comme ça Calvin ici quoi? Pour Calvin ici, bon Dieu n'est gardé figure de toi, mon bon Dieu dit ou même ou sauvé, et ou même ou pas sauvé, et ou même ou sauvé, ou même ou pas sauvé. C'est comme si on a dit bon Dieu. Il n'y a pas de critères, il seulement garde des figures, et puis il dit vous-même vous sauvez. Mais bien sûr, il y a plus d'élaboration dans la doctrine qui va venir dans la conférence. Mais c'est comme ça dans l'ensemble, il y a quoi? Il y a quoi que il y a des gens qui pensent au sauver, il y a des gens qui acceptent Christ, ils acceptent Christ comme sauveur personnel, ils ont persévéré dans la foi, il y a quoi que vous sauvez, il y a si vous voulez l'assurance du salut, mais malheureusement, hélas, non, il n'y a pas inscrit dans le livre de vie. Ça, c'est une fausse doctrine. La Bible n'a pas supporté conviction, ça. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la Bible claire sous bagay ça. Libor mais qui condition? Il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Donc dans ce sens ça, on est capable d'avoir assurance que on est sauvé si lorsqu'on recevoit message ça, on met foi la donne. Non seulement on met foi la donne, gain évidence foi ça dans la vie. Dans la façon que vous vivez. Et pour bon Dieu, donc vous mettez assurance et que vous sauvez dans ce sens-là et que vous faites partie des élus, que bon Dieu l'y élu dans sa préscience. Parce que bon Dieu, il annonce la fin avant le commencement dans sa préscience. Et donc, c'était la dernière question. Donc, question à un sujet là, c'est-à-dire qu'il y a un autre paramètre, à savoir si. Bon Dieu pas élu, si bon Dieu élu en série de monde, il pas élu en l'autre catégorie, est-ce que c'est pas parce que bon Dieu pas gain l'amour pour nous toutes? Donc m'expliquer nos questions élection, donc nous capables approfondir davantage et à travers conférence et que moi présenter sur ça. Merci beaucoup. Si gain l'autre question capable de recevoir. D'accord. N'a prend en dernière série de questions, n'a rappelé pour tout auditeur internaute nous yo que nous suivions une conférence avec Dr Leslie Jules sur comment défendre sa foi avec fermeté et conviction. Nous connaissons ce sujet, ça a toujours une pile question, donc nous pas qu'à prendre toutes questions. Sauf que moi présenter seulement une série de questions ça qui n'en même. Dr Jules gagne une question qui dit bon Dieu dans omniprésence li, il était gain ta connait ça Lucifer t'a vinn fait. Pour qui ça il était créé? Omniprésence li. Alors c'est omniscience de supposé dit. N'a continuer. Deuxième question, parce que journée jeudi hein, gien pile jeune qui quitte l'église et qui a abandonné bon Dieu, est-ce que pas gien un gros problème éducation chrétienne? Si oui, qui genre département éducation chrétienne dans l'église yo capable d'adresser problème ça avec efficacité. Qui critère qui vient important kounia pour un monde capable vinn moniteur dans l'école du dimanche. Ça c'est deuxième question. Troisième question, c'est un étudiant qui posait. Il dit que il gagne un amour pour science politique. En pile fois, ça fait un pile débat que un chrétien pas qu'à faire politique. Est-ce que c'est pas parole ça qui mettait pays nous dans sa lié aujourd'hui? Est-ce que lui-même il pas qu'à la science ça que il voulait étudier pendant que l'a défend la foi? Ça c'est troisième question, n'a poursuivre. Gagne un professeur qui dit un étudiant ici yo que lycéen spiritiste. Tandis que l'elle essaie de parler de vaudou, il fait connaître que li pa yon vaudouisant.
Est-ce que vous êtes capable de faire la différence pour étudiants ça entre spiritistes et ougans ou bien vaudouisants plus précisément? Et l'autre question, vous a prêché sous fornication et que c'est après le mariage ou supposé en contact sexuel avec conjoint ou, mais dans la Bible, vous n'a pas jamais dit Adam avec Ève t'es marié. Pour qui ça? C'est qu'il y a mariage à sous pied. C'est une question que en pile monde t'a envie poser tout haut et que l'autre monde poser au pour. Ça veut dire nous t'a envie poser question ça tout. OK, moi quoi bon Dieu a bail docteur a possibilité pour répondre et n'a poursuivre avec question yo. Après enlèvement de l'église, yo toujours dit que serviteur bon Dieu yo yo a avec li nan ciel là pour l'éternité. Donc question an c'est est-ce que nan vie ça qui a nan ciel là, est-ce que son vie qui a vraiment éternel, est-ce que pas bien l'autre humain qui a vini vivre sous la terre. OK? C'est ça? Question ça me quoi? Gen une autre question qui dit qui ça qui dit nous que la Bible est inspirée de Dieu parce que diable a gen Bible tout. Qui ça qui dit nous que Bible a bon. Pense que réponse ça nous déjà joignons dans réponse qui était déjà yo. Et n'a conclu avec deux dernières questions ça yo. En pile monde dit Bible que n'a pli la dedans nan Bible chrétien yo li gen 100% vérité la dedans. Donc mon n'ta reme konnen comment nous fait konnen c'est 100% vérité? Deuxièmement parce que lui-même il croit que c'est un monde même gens avec nous qui fait Bible là qui écrit. Et troisième collection est-ce que yo pas retiré, est-ce que yo pas mettez l'autre parole là-dedans, ça veut dire monde qui remanie Bible là. Et dernière question en série que nous t'a posé hein. Docteur, qui ça ou pensez de témoin Jéhovah qui dit c'est 164 000 monde cap enlevé. C'est ça qui marque. Peut-être ça monde t'attendait. Alors c'est 144 000 monde cap sauvé. Et nous profiter dit que tout monde ça qui posait question, yo était tout voyer remerciement yo pour docteur Jules. Qui bon Dieu bay possibilité matin hein, pour parler avec nous sur sujet ça comment défendre sa foi avec fermeté et conviction. Merci beaucoup encore une fois pour question yo. Et alors, qualité question, ça vous demande un petit rafraîchissement. Première question, c'est pour qui ça, bon Dieu, et te créé Lucifer, pendant que te connaît que t'as fait tout dégât ça, alors que lui censé, c'est un bon Dieu qui est omniscient. Alors, faut me dire que plan bon Dieu, par contre, contrarié. Et pour plan contrarié, il faut qu'on pas omniscient. Donc, la présence de Lucifer et tout ça qu'a fait, yo. C'est pas des bagailles qui contrarient le plan de Dieu. Pour qui ça? Lorsque je t'ai expliqué nous et argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu, je t'ai expliqué nous lorsque on lit Genèse 1er verset 1er, texte ça concerné tout ça qui créé, tant visible que les invisibles. En principe, il y a un écart qui existait entre Genèse 1er verset 1er et Genèse 1er verset 2. Personne n'a pas expliqué quantité de temps qui séparait Genèse 1er verset 1er et Genèse 1er verset 2. Genèse 1er verset 2 dit même les plus concerner terre. Genèse 1er verset 1er puisse concerner la création tout entière. Et c'est dans la période création tout entière ça que Lucifer lui-même lui fait que les anges fait dans ce sens. Donc, lorsque vous lisez la Bible dit que il présentait Jésus comme l'agneau de Dieu immolé depuis quand? À
avant la fondation du monde. Si c'est avant la fondation du monde, c'est-à-dire que avant que bon Dieu t'ait créé Zanjo, avant que bon Dieu t'ait créé toute bagaille, Jésus-Christ t'ait consacré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que bon Dieu pas contrarié dans plan. Bon Dieu fait des décrets et parmi décrets que le fait yo, décret a supposé gon création. Et parce que dans décret ça a gon création, si gon chute mais remettre la guette disponible. Et donc bon Dieu pas li pas pris par surprise. Ouais, et ensuite là mais nous vraiment clair sur ça. Satan li pas l'opposé de Dieu. Satan sont créatures de Dieu. Et bon Dieu disposé de Satan le vle. Donc li capable mettre Satan. Ouais, Satan tant qu'un monde qui dans les chaînes et que chaîne n'a gon distance là-dedans. Li gon limite. Li gon limite li pas ka franchi. Et donc et on va suivre dans la Bible pour que Satan éprouve Job, il a besoin de bon Dieu permission. Parce que il pas un souverain, il pas capable faire ça, il c'est un être, il c'est un ange que bon Dieu créé à propos, il sont un ange qui peut être différent parce que chaque ange est différent. Ou pas gagne une race d'ange, ou gagne une race humaine parce que lorsque bon Dieu créé Adam et Ève, bon Dieu créé comme représentant de la race humaine. Mais on va gagner un ange qui représente l'autre ange parce que ange pas une race. Chaque ange bon Dieu fait au séparément. Chaque ange a une histoire par eux. Et c'est ça qui fait un ange qui péchait, il pas entraîner la chute de tous les anges. Exactement, c'est seulement un tiers des anges qui suivent Satan parce que l'autre ange yo exercé volonté par eux, pas suivre monsieur. Donc Satan lui-même il a une limite, il pas opposé, il pas opposé bon Dieu et bon Dieu est en prévoit que Satan va le juger. Il est en prévoit condamnation Satan et il est en prévoit que le bras mette Satan hors d'état de nuire. Donc dans ce sens, plan bon Dieu pas du tout contrarié et bon Dieu pas pris par surprise, mais bon Dieu permet de s'arriver. Bon Dieu dans sa volonté permissive et c'est des bagages que moi-même avons pas capable d'entrer là-dedans parce que nous pas toujours comprendre volonté bon Dieu dans ce sens. Et la Bible dit nous, Moïse a parlé, il dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et pas de monde qui est capable de si vous voulez lumière sur les choses cachées de la parole de Dieu, à savoir pour qui ça bon Dieu te permet ça. Mais seul ça nous capable confier nous là-dedans, nous capable confier nous sur le fait que bon Dieu sage et que bon Dieu juste. Et si c'est ça le fait, c'est ça que tu dois faire. Et si c'est ça le fait, si c'est comme ça le fait, c'est le meilleur plan possible et imaginable. Parce que le vient de lui-même et bon Dieu bon Dieu juste, bon Dieu sage. Et que dans son omniscience, bon Dieu l'y pas prend par surprise parce que avant même que l'te créé Lucifer, avant même que l'te créé toute chose, l'y te gen te mette Jésus-Christ à part comme l'agneau de Dieu qui t'a pral retiré péché dans le monde ça. Deuxième question, c'est comment et département éducation chrétienne est capable aider dans déperdition des jeunes et au niveau qui entrent dans l'université et qui ont des difficultés pour capable kembe foyo pour capable défendre foyo et donc qui critère et qui t'a supposé gagner pour que yon moun vienne yon moniteur l'école du dimanche. Bon, peut-être on va commencer par dernier. Mais estimer que yon moniteur l'école du dimanche c'est un monde qui gagne son relé on soif de connaissance et son monde qui voulait connaître. Et même j'aime t'a dit on a exposé et Jésus-Christ dit que la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour mon moniteur, il y a besoin de monde qui voulait qu'on ait bon Dieu. Donc, et vous voulez faire ça, objet la vie. Objet la vie, c'est qu'on ait bon Dieu. Et parce qu'on voulait qu'on ait bon Dieu, vous avez étudié, vous avez investigué foi, en sorte que vous êtes capable de répondre. Et si vous voulez, même j'ai la Bible dit, répondre à des gens qui ont des questions, à des gens qui ont des doutes. Donc, il est nécessaire que vous moniteur l'école du dimanche, son monde qui ont en curiosité intellectuelle la Kaipal et son monde qui a fait lecture qui a lu bon livre des mauvais livres de yo des mauvais théologiens de yo tout et qui a lu bon théologien qui connaît qui est sur et qui a étudié parole bon Dieu et qui devant bon Dieu en prière qui a constamment demandé bon Dieu pour illuminer les yeux cœur et pour capable comprendre des choses et ça c'est une prière qui fait bon Dieu plaisir en pile et si on suit c'est comme ça Paul t'a prié pour Éphésiens. Et pour que bon Dieu soit capable d'illuminer les yeux cœur, pour être capable de connaître quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la largeur et de la connaissance de Jésus-Christ. Et donc, c'est des prières que un monde capable de faire
et que m'inviter yo à faire type de prière ça yo, moi mon parenthèse pour me dire non. Il fut un temps dans la vie, me réaliser que puis faut bagaille m'a prier pour ces bagaille monde qui ban moi. Donc si m'a prier pour bagaille monde qui ban moi, m'a pas besoin bon Dieu, m'a juste besoin un carnet d'adresse. M'a seulement besoin bon contact, m'a juste besoin bon connexion. Et donc prier pas me changer. Je voulais prier bon Dieu pour bagaille que monde pas capable ban moi. Je voulais prier bon Dieu même Jean-Paul dit Éphésiens pour yo prier pour que bon Dieu capable illuminer les yeux cœur pour capable comprendre pour capable rentrer dans la profondeur de Dieu parce que c'est des bagages que bon Dieu seul capable ba ou. Donc en tant que moniteur l'école du dimanche, je vais commencer à prier sous bagage ça yo, prier pour bon Dieu capable ouvrir les yeux et au département l'école du dimanche dans temps ça que n'a vivre là, temps ça que Paul les qualifier de calépos, c'est-à-dire dangereux, périlleux. Donc ou gain responsabilité pour que son véritable défenseur et de la foi chrétienne. Et en passant, et m'a travaillé sur un livre qui est pour sortir et pendant l'été et qui pral m'a bien deux volumes qui a sorti et m'bon voulez traiter si vous voulez 20 arguments contre la foi chrétienne, 20 objections et contre la foi chrétienne. Et m'voulez démonter arguments ça un après l'autre et pour capable montrer que même Jean-Paul dit pas gain zame contre la vérité, seulement gain zame pour la vérité. Donc pas gain zame qui capable pas gain rien qu'on capable dire contre la vérité, contre la véracité et de la foi chrétienne. Objectif que m'écrit livre ça, c'est purement à l'attention des moniteurs de l'école du dimanche. Nous aimerions que chaque moniteur de l'école du dimanche gagne un exemplaire de livre ça dans main yo. Après chaque chapitre, moi mettez un guide de discussion pour que nous capable discuter en sorte que chaque classe l'école du dimanche capable un véritable cercle d'apprentissage de la défense de la foi chrétienne. En sorte que lorsque un monde passé dans l'école du dimanche, dans la classe l'école du dimanche, ou à camper devant un professeur philosophie, il faut le courir quitter classe là pour vous-même. Pour sentir mal à l'aise parce que pas comprendre ça l'a dit. Et que chaque monde capable armé et pour capable défendre la foi chrétienne. Donc très bientôt, et m'a capable communiquer avec et pasteur Laseg et s'ouvrir ça et capable disponible et pour les moniteurs et de l'école du dimanche et ceci dans toutes les dénominations chrétiennes. Alors en passant, je travaille avec toute mission yo, et je travaille avec et j'ai un programme et si vous voulez de développement économique dans les églises et particulièrement en milieu rural. Donc et bon Dieu permette que moi j'ai accès à toutes les dénominations chrétiennes évangéliques et en Haïti avec les surintendants, les chefs de mission et que c'est un objectif pour que le livre soit capable disponible pour toute mission yo, en sorte que pour nous capable préparer nous par rapport à la tempête qui va venir parce que quand tempête qui va venir. Et lorsque tempête ça a venu pour capable nous camper comme un seul homme et pour nous capable défendre la foi chrétienne. Maintenant, est-ce que un chrétien capable faire politique? Ce sont très belles questions. Et peut-être à monde qui pose des questions, ça m'était capable poser une autre question. M'était capable demander est-ce que un chrétien sont citoyens? Si un chrétien sont citoyens, c'est que son monde cap payer taxes li, donc sont contribuables et puisque sont contribuables, il suppose qu'il y a un mot à dire dans sa cap fait dans la société, ils sont contribuables. Soit contribuables, ils ne peuvent pas poser des questions, ils ne peuvent pas comprendre. Ou sont citoyens. Si un chrétien est citoyen et que cap contribuer dans la chose publique, il suppose capable de participer tout dans la chose publique. Ou pas une indication dans la Bible qui dit que chrétien n'a pas fait politique. Cependant, lorsque vous avez des missions religieuses et qui sont entrés en Haïti et qui sont entrés dans une époque côté où vous avez conviction, et côté mais bon ça chrétien supposé faire mais ça chrétien pas supposé faire et des fois il était entré dans une période côté et si vous voulez c'était la guerre froide et c'était période et communisme et c'était période tout et si vous voulez de dictature. Donc là ça yo pas de mandat parce que tout était sous contrôle, donc il était obligé dit monde mais ça pour pas faire. Yon nan bagay chrétien pas supposé faire, pas supposé faire politique. Pour qui ça? Parce que si là il fait politique, ça capable troubler espace public en place là. Donc là ça pour moi-même, m'estimer que premier missionnaire qui est entré en Haïti yo, yo te dilué l'évangile là. Parce que yo pas ba nous toute vérité. Yo juste fin avec affaire pa yo, y a suivre tendance yo et selon tendance yo dit moun mais ça chrétien supposé faire, mais ça chrétien pas supposé faire. Chrétien pas supposé impliquer dans activité économique, c'est-à-dire faire business, c'est ça qui fait qu'on leur joint plus fort monde dans secteur privé qui fait business, c'est pas un héros. Chrétien pas supposé impliquer dans le social, chrétien pas supposé impliquer dans la politique, chrétien pas supposé le monde c'est pas là qu'aille moi dans le ciel moi pour aller. Mais résultat je dis. Donc je dis assez n'a subi toutes conséquences ça et donc l'important pour que nous capable repositionner nous et comprendre que nous c'est des citoyens célestes.
et en même temps, nous sommes des citoyens terrestres. Lorsque vous demandez Jésus, est-ce que le besoin de payer taxes, Jésus dit, pour ton pièce pour moi. Il dit, qui ça nous est sous pièce ça? Et Figique est sous pièce là, c'est César. Il dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc lorsque Jésus a dit parole ça, Jésus-Christ a signifié notre double nationalité. Nous avons une responsabilité pour nous bailler à César, ça qui pour César, toutes les fois que ça n'a pas César là, pas déranger mon Dieu. Est-ce que nous là? Toutes les fois que allégeance que nous avons vis-à-vis de César, il n'a pas dérangé mon Dieu. C'est-à-dire que si on le chrétien qui pour choisir dans la ville, entre César et mon Dieu, il suppose choisir mon Dieu. Toutes les fois que vous avez des lois immorales qui passent dans un pays, les chrétiens ne sont pas supposés suivre la loi. Les chrétiens sont supposés manifester contre la loi. Et les chrétiens sont supposés entrer dans la désobéissance civile si c'est possible. Parce que les gens ont allégeance, allégeance suprême dans envers bon Dieu. Mais cependant, puisque les chrétiens vivent sous la terre, ils ont allégeance et vis-à-vis de César. Cependant, si les chrétiens sont capables de faire politique, l'Église n'est pas capable de faire politique. Parce que l'Église est différente. Chrétiens sont personnes physiques, l'Église sont personnes morales. Et que l'Église que Jésus-Christ établit, l'Église a une ordre de route, personne ne va supposer changer ordre de route. Ça. Responsabilité de l'Église, c'est faire des disciples, aller faire de toutes les nations, c'est ça que l'Église a fait. L'Église, ce n'est pas un parti politique, l'Église, ce n'est pas une plateforme pour les leaders politiques qui faire promotion de tête. L'Église, là, pour capable enseigner monde la saine doctrine. Donc, c'est responsabilité, ça, que l'Église, mais cependant, le chrétien, individuel, il y a une responsabilité pour participer dans tout ce qui est fait dans la société. Toutes les fois que, parce que la réalité, où c'est sel et lumière. En tant que sel et lumière, on a besoin d'une voix prophétique sur ce qui est fait. Ou imaginez que si l'Église était une voix prophétique sur le Parlement, ça qui est privé là, pas de privé, non? Si nous avons une voix prophétique sur le Parlement, si l'Église était une voix prophétique dans le secteur privé, aujourd'hui, on n'a pas un secteur privé qui puisse exploiter les gens qui ont participé dans le développement. On n'a pas gagné aujourd'hui. Ou imaginez aussi l'Église qui a une voix prophétique dans la fonction publique. Quel type de pays qu'on a gagné? On a un pays spécial. Je vais faire une parenthèse pour rapidement faire. Je vais toujours faire une parenthèse. Premier colon qui quittait l'Angleterre et qui a colonisé les États-Unis, les puritains, c'est comme ça qu'on a été les pilgrims. Puritains, lorsque ils colonisent les États-Unis, ils allaient aux États-Unis avec toute mentalité. Et, comme dit nous en passant, ils ont fui l'Angleterre parce qu'ils ont estimé que l'Angleterre vient trop séculariser, ne pas permettre l'expression de leur foi. Et c'est ainsi que lorsque ils arrivaient aux États-Unis, ils voulaient bâtir une société côté la foi chrétienne li dominante. Et forme de notre conception, par exemple, il y a deux mots qui voulaient dire même bagaille. C'est work qui signifie travail et worship qui signifie adoration. Pour eux-mêmes, worship si signifie adoration, c'est bon bagaille ou faire l'église. Dans un service dimanche matin pendant une heure de temps, deux heures de temps. Pour eux-mêmes, worship son style de vie que lié. C'est-à-dire que adoration, c'est façon sa chrétien vive. Dans le sens que pour eux-mêmes, que vous êtes dans l'agriculture, que vous êtes dans la manufacture, que vous êtes dans l'éducation, que vous êtes dans le social, qui ça vous a fait? Adorer ou d'adorer. Parce que pour eux-mêmes, adoration, c'est comme ça. Pour qui ça? Vous croyez comme ça? Parce que pour eux-mêmes, dans le jardin d'Éden, pas de l'église. Mais Adam et Ève, c'est qu'on adorait quand même. Et comment vous êtes qu'on adorait? Vous êtes qu'on a adoré dans fait ça que bon Dieu dit au fait. Et qui ça vous êtes qu'on fait? Adam t'a pris soin du jardin et il t'a baillé bête ou non. Pendant que Adam a fait ça, Adam a adoré bon Dieu. Et donc, vous savez, vous êtes adoration comme ça. C'est-à-dire que quel que soit ça a fait, puisque son acte d'adoration, ils ont considéré que ce n'est pas pour l'homme qui a fait, même s'il a tout son chèque, ils ont considéré que son adoration qu'il a fait à bon Dieu. Donc, le ça, quel que soit ça a fait, attendez bien, oui, quel que soit ça a fait, puisque son acte d'adoration, ils ont fait là tout cœur, ils ont fait là tout âme, ils ont fait là tout l'esprit, ils ont fait là toute pensée, et le second, ça va le sortir, ou bon bagaille que la productivité va le découler. Et productivité a pral bon croissance économique et croissance économique là pral bon développement. Mais comment les États-Unis y est allié aujourd'hui là? Son principe. Et père fondateur pays ça, il a fondé pays ça sous ça. En Dieu nous croyons. Bon, il est vrai que y a dévié et au fur et à mesure de ça que père fondateur était faire. Mais cependant, père fondateur était un souci bâti
une nation qui en bas bon Dieu, qui en bas leadership bon Dieu. C'était souci yo. Et c'est ça qui fait pour t'occuper poste à cette époque, faut qu'on mette mais on sous Bible pour cementer. Et c'est ça qui fait à cette époque la Bible t'est enseignée dans toute l'école publique et privée yo. Et qu'on y a le différent. Je connais rien la Bible qui enseigne seulement dans l'école privée chrétienne yo. Mais yo même yo t'ai un souci pour te bâtir une nation qui chita en bas et foi chrétienne et donc dans ce sens ça est difficile pour que un monde dit que chrétien pas qu'à faire politique. Au contraire, si bon monde qui capable pratiquer la droiture, si bon monde qui capable pratiquer la justice, si bon monde qui capable faire justice marcher dans pays ça, dit pas l'autre monde que son chrétien. Parce que c'est chrétien qui grand exemple de la justice, c'est chrétien qui appli la justice, c'est chrétien qui c'est sel et lumière et donc c'est lui-même qui capable impliquer dans bagaille ça. Maintenant question, tu as l'autre question sur le spiritisme et le vaudou et est-ce que il y a une différence? Bon, vaudou à l'origine, je vais t'a expliquer. Vaudou c'est une religion qui est ancien et qui existait sous la terre et que ou capable retracer source li depuis époque babylonienne, depuis époque assyrienne, depuis époque sumérienne. C'est même divinité qu'on n'a pas adoré. Seulement à chaque pays, à chaque époque, divinité ça reprend l'autre nom. Il y a deux divinités que je ne peux pas citer sous nom sous chair. Mais à chaque époque, il prend l'autre nom. Sous prend toute divinité ou bien toute loi que nous avons dans le vaudou haïtien, ou après que y a une même fonction avec loi que monde qu'on n'a pas adoré dans la Rome et dans la Grèce antique, ou après y a une même fonction avec loi que monde qu'on n'a pas adoré à Babylone, en Assyrie, etc. Seulement nom a changé, nom a vint contextualiser, mais c'est toujours même esprit. Et donc religion ça yo, c'est des religions que y'aurait des religions animistes et animistes dans le sens que c'est des religions qui déresponsabilisent monde et des religions qui fait que monde remet la vie yo à son rele la caprice des dieux, la caprice des divinités dans le sens que faut et faut qu'on apaiser colère loyo et n'en baio manger et n'en jeter de l'eau et pour capable faire une faveur ouais. Donc dans ce sens ça si ou pas bailler sacrifice ou pas offrir sacrifice donc là ça ou pas joindre l'approbation et de cette divinité donc c'est des religions animistes. Par conséquent bien-être ou bien-être matériel ou bien-être personnel ou dépend uniquement de ces divinités. C'est-à-dire que ou pas jamais rien si divinité ça ou pas vouloir en bagaille. Nous sommes là et lorsque moi fin l'école non lorsque moi était dans peut-être deuxième ou troisième année dans sciences économiques et faculté de droit et me croisa avec un ami sous quartier nous te levé ensemble et puis me dit monsieur connait le soir l'oué ancien ami on va demander on a qui faculté ouyé etc. c'était ça et coutume dans baron c'est toujours comme ça et puis lorsque me dit monsieur dans qui faculté ouyé monsieur dit le rivé dans reto le camper le pas l'école encore me saisi me pense monsieur t'a pas le dit que et c'est parce que il était un problème l'argent ou bien problème monsieur dit non monsieur dit le rivé dans reto me camper parce que gon loi dans famille qui réclamait loi dit si mal l'école l'a cassé koum. Parce que li kouel pas capable fan hein et koul de cassé vrai parce que comme ça le kouel. Parce que réalité c'est que lorsque ou aborde des types de divinité ça yo li déresponsabiliser et des fois faut me dit nous en passant faut que nous pas sous-estimer influence vaudou en gagner lorsque moun vinn l'église et que yo pas enseigner la saine doctrine. Donc lorsque yo vinn l'église puisque yo pas chita pour prendre enseignement, yo pas venir dans étude biblique, yo pas dans l'école du dimanche et donc y a perpétué penser vaudou en dans l'église. Dans le sens que yo déresponsabiliser tête yo pour yo même tout bon bagaille qui arrive dans la vie yo c'est bon Dieu, tout mauvais bagaille c'est diable là, yo même yo pas gain responsabilité personnelle. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Donc son pensée animiste de la vie. Bon Dieu bon libre arbitre, bon Dieu bon intelligence. Bon Dieu veut conseiller de bagaille c'est où pour faire et bon Dieu pas faire pour ça le capacité pour faire. Est-ce que nous comprenons ça à dire? Automatiquement bon Dieu bon capacité pour faire bagaille il veut qu'on fait parce que le bon volonté il bon le libre arbitre, il bon capacité le bon grâce pour ça. Donc dans ça ça au besoin agir dans toute sphère d'influence et que bon Dieu bah pour agir. Lorsque bon Dieu l'a découvert, lorsqu'on mandé pour le découvrir, il y a une situation qui vient devant ou besoin d'intervention divine. Mais si leçon ou doit étudier, c'est pour chita pour étudier leçon.
comprenez? Parce qu'on a besoin de cultiver l'excellence en passant, comme dit nous. Alors, on a pris à chaque temps, on a parlé de dire en passant, donc en parenthèse, on a ouvert. Lorsqu'on a regardé le monde entier, particulièrement pays qui développent, il y a un sociologue qui n'est pas chrétien, c'est Max Weber, et qui lui-même a publié une thèse qui relaie capitalisme et éthique protestante. Dans la thèse, qui ça le défend? Monsieur défend que tout pays protestant, yo, c'est des pays développés. Et il explique que le développement pays ça yo sorti sous son relais dans son relais des valeurs judéo-chrétiennes que moun met en pratique. Lorsque m'a parlé de valeurs judéo-chrétiennes, m'a parlé de qui ça? M'a parlé de l'intégrité, son valeur judéo-chrétienne. M'a parlé de la poursuite de l'excellence, son valeur judéo-chrétienne. C'est-à-dire tout soit fort fait le bien ou pas faire affaire à moitié, son valeur judéo-chrétienne. M'a parlé de l'esprit d'entreprise, ça que aurait l'entrepreneuriat, son valeur judéo-chrétienne. M'a parlé de la simplicité, m'a parlé de l'humilité. M'a type de bagaille ça c'est des valeurs judéo-chrétiennes et que en pile pays développé au chita sou yo. Donc c'est-à-dire que moun yo croit que bon Dieu ba yo assez de valeurs, bon Dieu ba yo assez de connaissances, assez de capacités pour yo même yo faire des interventions et que yo pas vle remettre destination yo à la chance ou bien à des divinités païennes, contrairement à nous-mêmes. Donc, on peut expliquer en pile ce qui a passé en Haïti à travers la vision du monde que nous épousons en Haïti. Une vision du monde animiste, côté nous complètement déresponsabiliser nous, côté nous pas faire ça que nous pouvons faire. En pile, chrétien compte tout ça pour nous pas faire, mais on ne compte pas ça pour nous faire. Donc, on peut dire que chrétien n'est pas supposé faire ci, pas supposé faire ça, mais demander qui ça un chrétien doit faire, on ne peut pas finir sûr, on ne peut pas connaître. Donc, par contre, comment un chrétien est capable de contribuer? Or, lorsque vous regardez la contribution du christianisme, pour ce qu'il s'agit de la civilisation et de la culture, son bagage qui est immense. Ou pas t'as bien université sans pas bien le christianisme. Ou pas t'as bien la science moderne sans le christianisme. Ou pas t'as bien l'éducation supérieure sans le christianisme. Ou pas t'as bien les soins de santé et sans le christianisme. Ou pas t'as bien l'abolition de l'esclavage sans le christianisme. Ou pas t'as bien l'émancipation du droit des femmes et des enfants sans le christianisme. Lorsqu'on regarde les contributions christianisme, l'est sorti dans le fait que des mondes, des chrétiens, ils ont cru dans des valeurs chrétiennes et que ont mis des valeurs ça en pratique dans ce que ont fait dans la société. Pour moi-même, ça c'est opinion pas moi. Je pense que c'est le plus gros problème que nous avons en Haïti et particulièrement dans le secteur protestant. C'est que nous pas connaît le christianisme historique, nous pas connaît les valeurs judéo-chrétiennes et donc nous pas qu'à mettre en pratique. Et c'est ça que lorsqu'on entre dans l'administration publique là, à midi, toute radio a la prière et puis coup prière a fini à 1h, tout le monde entre dans la corruption encore. Parce qu'on pas fait différence pour même son style de vie. Donc en sorte que pas de différence entre ténèbres et lumière parce que nous avons façon que nous faisons business en Haïti, nous avons façon que nous faisons politique en Haïti. Et tout le monde intégré là-dedans sans que vous ne réalisez que en tant que l'Église, nous c'est celle, nous c'est lumière et que nous avons un rôle prophétique dans la société. Ça. Est-ce que la Bible pas dit que Adam, la Bible pas dit que Adam pas marié et que Jodia qui côté mariage sorti? Ça sont thèse qui est intéressant. Récemment, dans le monde a dit que alors monsieur a dit que bon Dieu par contre question mariage ça. Et bon Dieu, c'est plaçage que bon Dieu connaît. Et puis, monsieur, il y a un texte biblique. Monsieur dit, nous ne connaissons pas la Bible, dit Dieu les plaça dans le jardin. Donc, c'est plaçage que bon Dieu installé. Non. Dieu les plaça dans le jardin. Non, bon Dieu, il a institué le mariage. Et dans le sens que Jésus dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque bon Dieu dit bagaille ça, bon Dieu l'y institué et le mariage. Et donc c'est bon Dieu. Le mariage, son institution divine. Donc la famille, son institution divine. L'église, son institution divine. Et pour un pile monde qui pas de compte ça, le gouvernement civil, son institution divine que bon Dieu établit pour l'humanité après le déluge. Donc il y a trois institutions divines que bon Dieu établit pour capable réguler, pour capable mettre l'ordre dans des ordres. C'est la famille d'abord, c'est l'église et le gouvernement civil. Donc bon Dieu institue le mariage. Alors l'autre question dit, après l'enlèvement de l'église, est-ce que bon Dieu peut créer l'autre humain et sous terre qui s'est passé après l'enlèvement de l'église?
Jean que Paul expliquait, c'est que au son de la trompette, à la voix d'un archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, mais n'a pas pour nous retourner encore. Et nous parlons pour nous retourner. Alors ça dépend de Jean Kouel, est-ce que Kouel et est-ce que c'est prémillénariste et quel que soit Jean Kouel. Bon, ça c'est pas un, c'est pas si vous voulez, c'est pas un, une doctrine qui touche et salue, et dans le sens que il y a deux monde qui croient et non que l'église pas participer dans tribulation, et il y a deux monde qui croient que l'église a participé dans tribulation. Ça c'est pas un sujet qui affecte et salue au monde. Donc ça pas besoin de diviser des chrétiens, moi-même croyant dans tribulation, moi-même pas croyant dans tribulation, non. Réalité a c'est que lorsque nous enlevés ensemble avec Christ, n'a pas pour régner ensemble avec Christ, mais cependant terre ça que n'a pas gardé, il est réservé pour la destruction. C'est ça que l'apôtre Pierre explique nous et ça que différents textes expliquent nous. Donc tout élément ça que n'a pas gardé, il va embraser, mais cependant bon Dieu dit nous dans Apocalypse, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans le sens que lorsque moi avec vous, si nous mourir kounia et que il y a un peu de monde qui pas t'aimer mourir, mais vous connaissez statistique yo dit yon moun sou yon mourir. Donc tout le monde là mourir commencer sur moi-même. Maintenant sou mourir, ça va le passer ou monter pour aller joindre bon Dieu, pour aller joindre Jésus-Christ. Mais cependant côté où aller, c'est pas dernière demeure. Et aller dans un espace transitoire parce que ou pas fait pour ciel, parce que ou pas on être angélique. Bon Dieu fait le ciel pour des êtres angéliques. Mais pour moi, ma veille, nous c'est des êtres humains, nous pleinement humains, lorsque nous avons corps, nous avons l'esprit et nous avons âme. C'est-à-dire que nous allons dans un espace transitoire, nous attendons la résurrection des morts. Lorsque nous y là à la résurrection, bon Dieu pralba nous à chaque monde, bon Dieu pralba nous de un corps glorieux, et monde qui était mort déjà, il a tout un corps glorieux ça, et monde qui était vivant toujours, il a juste transformé avec un corps glorieux. Maintenant, lorsque nous avons un corps glorieux, ça, bon Dieu, Jésus-Christ a préparé pour nous un espace, c'est ça, aurait les deux nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est sous terre ça que nous allons descendre et nous allons glorifier bon Dieu. Et nouvelle terre, ça, les plus glorieux de loin que le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, son test, que je dis, son testing ground. Pour ça qui concerne les nouveaux cieux et nouvelle terre, là, Paul a dit nous, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et c'est des bagailles extraordinaires. Si Paul a dit ce sont des choses que l'œil n'a point vues, c'est à coup pas capable de comparer avec Jardin d'Éden que Dieu monte qu'on voit déjà. Et donc c'est des bagailles extraordinaires que bon Dieu pral préparer pour nous-mêmes et c'est là que nous pral régner. Donc nous pral sous nouveau cieux ça, nouvelle terre là et bon Dieu le ça bon Dieu pral font bagailles qui extraordinaires. Bon Dieu pral fusionner le trône de Dieu, ciel là côté lié. Il pral fusionner avec cette nouvelle terre. Et le sa bon Dieu pral effectivement demeurer parmi nous. Mais parce que bon Dieu a fusionné ciel là, côté lié avec terre, c'est ça qui fait nous dire que nous pral dans ciel. Mais en réalité, ciel nous pral là, c'est de nouveaux cieux, c'est une nouvelle terre. Mais c'est pas ciel côté Zanjo et là, et côté bon Dieu, et li établi trône. Bon, comment nous faire connaître que la Bible est inspirée de Dieu? Nous connaissons que la Bible est un livre qui est inspiré de Dieu parce que la Bible a des caractéristiques que aucun livre pas possédé. Et une des caractéristiques que la Bible a qui fait que son livre qui est inspiré de Dieu, c'est en vertu de sa dimension prophétique. Donc il y a des prophéties qui établies dans la Bible, des prophéties qui étaient formulées et 400 ans, 500 ans, 600 ans et qui joignent application et ceci de manière extraordinaire. Une prophétie que moi m'ai cité que en pile monde des fois pas prêter attention à ça, c'est la chute de Tyr. Tyr c'est une ville fortifiée. Or dans Ézéchiel, la Bible annonçait par la bouche d'Ézéchiel que Tyr t'a pral détruit. Mais lorsque Ézéchiel fait prophétie ça, tout le monde t'a pensé que Ézéchiel par contre ça l'a dit parce que c'est même Jean-Jodia où t'a prophétisé la destruction et des États-Unis côté États-Unis t'a pral vivre misérable comme puissance mondiale. Prophétie ça capable pas faire sens pour en pile monde. Mais cependant, lorsque on lit prophétie Ézéchiel là, Ézéchiel dit non seulement Tyr pral détruit, reste Tyr yo pral faire un digue ensemble avec yo, une sorte de pont et sous pont ça, sous cendre et sous reste Tyr, sous remblé yo, si vous voulez dire comme ça, ou pral joindre des pêcheurs qui camper pour pêcher poisson. Maintenant, prophétie ça a fait, on connait qui le pral accompli,
225 années plus tard. Et 225 années plus tard, l'Ipral fait exactement Jean-Ézéchiel te prophétisé là. Lorsque Nebuchadnezzar vini, Nebuchadnezzar conquérit des terres, et puis il estimait que le supposé conquérir Tyr. Mais maintenant, Tyr était des îles voisines. Donc lorsque Nebuchadnezzar vini, Nebuchadnezzar fait un siège qui durait en quantité de temps. Donc lorsque mon n'est pas capable de résister, il fuit dans une petite île voisine. Donc le ça Nebuchadnezzar entre dans la ville principale côté Otea et puis il crase. Mais puisque Nebuchadnezzar n'est pas maîtrisé, si vous voulez, une flotte navale pour être capable de combattre sous ces îles, il dit juste by vague, il tourne la caille. Donc siège là fini. Maintenant, après Nebuchadnezzar, vous avez gagné un autre roi, un empereur, et qui lui-même te voulait positionner comme un empereur mondial. C'est Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand a positionné tête comme un empereur mondial, il a bal information que tu as une ville, tu as un pays qui aurait les tirs et qui t'est arrivé à résister à Nebuchadnezzar. Et donc, là, ça, monsieur senti que ça fouettait orgueil, il senti que faut la détruire ville ça. Effectivement, lorsque monsieur allait pour la conquérir tir, il voit que ils sont aux îles, il pas qu'arrivé. Qui ça monsieur fait? Monsieur prend res ville tir que Nebuchadnezzar a détruit et puis monsieur fait avec lui un digue, donc une sorte de pont pour être capable de traverser river atteindre mon sous île. Alors l'histoire raconte que ça que Alexandre le Grand fait, si vous voulez, c'est plus gros invention militaire. C'est plus grosse stratégie militaire qu'on était capable de faire à cette époque. Cependant, il fait digue, il entre sous Iléa, il prend Iléa en captivité, il tue Mounio et puis il prend contrôle là. Et puis quelques temps après, on voit sous digue ça des pêcheurs qui campaient à pêcher poisson. Donc ça, c'est un bagage extraordinaire. Pour qui ça me prend exemple ça, c'est parce que c'est ça que l'histoire a retenu. L'histoire, tout historien d'accord avec ça que fait là, et tout Mounio était bouche bée devant ça parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Seulement un livre qui inspire et capable de faire prophétie avec dimension ça. Qui va l'accomplir 225 années plus tard. L'autre prophétie que je me prends, à côté de toute prophétie qu'accomplit dans la vie Jésus-Christ, et c'est prophétie concernant Cyrus, roi de Perse. Esaïe annonçait la naissance de Cyrus 150 ans avant le fait. Non seulement 150 ans, il annonçait 150 ans d'avance que pral gagne un roi pral fait, il pral diriger la Perse, il pral reler Cyrus. Il pourra contribuer dans l'épanouissement du peuple d'Israël. Et ça fait exactement. Donc, lorsque vous regardez les dimensions prophétiques et qui viennent dans la Bible, et vous avez besoin d'arrêter bouche bée, pas une façon qu'on capable expliquer bagaille ça de manière scientifique. Lorsque des hommes de science ont essayé de calculer la probabilité d'accomplissement de prophétie, ça, il y a un chiffre que pas un ordinateur capable de faire des chiffres. Dans le sens que bagaille ça pas capable d'accomplir par la chance. Parce que il y a trop de précision là-dedans, et donc, ou besoin d'une intelligence, ou besoin d'un bon Dieu qui est capable d'inspirer de tels textes, et pour qu'on soit capable de croire là-dedans. Donc, dans ce sens-là, ou capable, sur la base des prophéties accomplies, ou capable de considérer que la Bible, ils sont livres d'inspiration divine. L'autre question qui a encore, c'est c'est comment nous faire connaître que la Bible, et c'est un livre qui est inspiré parce que. Et c'est monde qui écrit. Tout ça que bon Dieu a fait, l'utiliser monde la donne. Et sauf lorsque le pral et faire plan rédemption. Plan rédemption va gagner monde la donne parce que c'est nous qui avons le bénéficiaire de plan ça. Mais tout ça que bon Dieu a fait sur la terre, bon Dieu utilise monde. Bon Dieu a révélé de manière spéciale, il utilise des hommes et pour le capable révéler. Et c'est ça que fait chaque monde. Bon Dieu quitte lorsque a écrit texte par eux, il écrit ou personnalité ou transpiré la donne. Ou est style yo transpiré la donne en sorte qu'on capable dire ça c'est Paul qui écrit ça c'est Pierre qui écrit donc on capable faire différence là on capable voir ça c'est Jean qui écrit parce que semble à Jean mais c'est pas parce que bon Dieu servi avec monde qui fait que bon Dieu dit pas gain contrôle ça qu'a fait là et bon Dieu gain contrôle là du début jusqu'à la fin et si m'a étudié ensemble avec ou l'histoire de la Bible ou regarder toute péripétie la Bible passée et jusqu'à ce que aujourd'hui, même en 2020, au 21e siècle, livre ça capable de nous, son livre seulement d'inspiration divine. Non seulement bon Dieu inspire le livre là, et bon Dieu préserve le livre ça de manière surnaturelle. Donc son livre carrément surnaturel, que c'est dans l'écrit, que c'est dans la préservation, et que c'est dans la puissance que l'on a pour transformer la vie moi-même avec. Donc là, ça n'a pas de doute dans le type de livre ça que nous avons dans nous.
Maintenant, est-ce que la Bible altérée, et c'est si vous voulez, c'est argument ça que musulman yo bay, parce que pour l'islam, et alors m'a établi différence là, nous même nous croyons Jésus-Christ comme la révélation finale de Dieu. Musulman yo gen le Coran comme la révélation finale de Dieu. Donc ça que Jésus y est pour nous dans le christianisme, c'est ça que Coran y est pour le musulman dans l'islam. C'est-à-dire que dans le christianisme, Dieu s'est fait chair. Dans l'islam, Dieu s'est fait un livre. Et c'est ça que fait musulman, il a une révérence extraordinaire par rapport au Coran. Il n'a pas un Coran sans le pas laver mille trois fois. Et Coran a besoin de envelopper dans un tissu parce que le pas mettre sur une table, son blasphème que lui. Et Coran, on pas supposé traduire. Ou capable de traduire lui, mais version que traduit n'est pas considéré comme livre inspiré. Donc ces versions arabiques là, c'est lui-même qui inspiré, c'est lui-même qui bon Dieu, c'est lui-même qui la représentation de Dieu et sur la terre. C'est comme ça qu'on prend. Maintenant, parce que la Bible traduit, parce que Bible gena mais on a là, c'est pas dans la langue ça a été écrit. Donc écoutez, une Bible là qui était écrit en hébreu, en araméen et en grec et qui t'a pas traduit plus tard en latin. Et qui t'apprend les différentes variantes dans différentes langues que nous avons là. Donc, ils ont estimé, parce que la Bible a subi des traductions, et lorsque vous avez traduit, il y a des choses qui ont perdu dans la traduction. Donc, ils ont estimé que capable de des altérations qui faites, capable de des choses qui ajoutées, capable de des choses qui retranchées dans le texte. Bon, pour moi-même, pour dire que la Bible a altéré, c'est-à-dire que il y a deux bagailles qui étaient là pas là et il y a deux bagailles qui là pas doué là pour un type de connaissance ça faut que version originale là t'en a mais on est-ce que vous comprenez ça m'a dire si version originale là pas n'a mais on comment on fait qu'on est version actuelle là altérée parce que vous besoin comparer yo non ou besoin prendre tous les deux ou besoin prendre version originale là pour comparer par rapport à version qui traduit hein, pour capable dire ça traduit yo altéré. C'est-à-dire que vous mettez plus que ça là doit gagner, vous mettez moins que ça là doit gagner, ou pas une version originale là comme on capable faire. Donc on capable tout simplement faire des suppositions, ou capable faire si vous voulez des analyses, ou capable faire des spéculations et si vous voulez. Mais cependant, bon Dieu, pour capable éliminer toute bagaille ça parce que pas oublier, pas une âme contre la vérité, une âme seulement pour la vérité. Qui ça que bon Dieu fait? Bon Dieu permet que nous capable gagner une multitude de textes anciens. C'est-à-dire que nous avons près de 5000 exemplaires pour ceux qu'il s'agit du Nouveau Testament. Et des fois, il y a de monde, il y a de texte ou gagne tout qui capable baou jusqu'à 25000 exemplaires que vous gagnez. Lorsque vous avez quantité exemplaires ça, qu'on y a là, vous capable faire son relais en critique textuelle avec différents textes ça, vous capable regarder pour qui variante qui existait entre différents textes ça. Maintenant, puisque vous capable considérer différentes variantes ça, ou capable lorsque vous faites analyse de tout texte ça yo li capable dire mais à qui sa version originale l'assemblée. Maintenant puisque capable faire ça tout historien chrétien yo et tout monde qui fait critique textuelle yo tout théologien yo arrivé si vous voulez à yon véracité si vous voulez à un degré de conformité mais moi on cherche à un degré de conformité de plus de 99.9% par rapport à texte original hébreu et grec yo. Donc dans ce sens ça pas gain discussion la donne livre ou gain hein et li inspiré de Dieu aussi longtemps que ou gain bonne version. Parce que gain deux versions que mon inventé et parce que ou voulez traduire la Bible dans façon par yo effectivement langue yo évolué. Et puisque gain évolution au niveau de langue ou regarder dans vocabulaire en Haïti gain de nouveaux mots et qui que vous ajoutez à chaque fois qu'il y a de nouvelles expressions et que vous ajoutez et une expression que nous remet dit monsieur voile on dit ça n'est-ce pas monsieur voile donc ça sont yo pas qu'on dit ça gagne 5 ans donc c'est des bagages qui a ajouté et qui entrent dans vocabulaire nous maintenant puisque vocabulaire a évolué ou gagne des traductions contemporaines qui visaient à permettre que un monde capable gagne une meilleure lecture de la Bible mais cependant des fois ou gen des versions qui reflètent ça que tu dis dans l'original yo ou gen des versions qui pas reflètent donc c'est ça que faut assurer que ou gen bon version Bible aussi longtemps que ou gen version bon version Bible
et que vous êtes capable d'interpréter correctement le livre qui est dans mes relations, son livre qui est inspiré de Dieu. Et dernière question, c'était pour ce qu'il s'agit des témoins de Jéhovah, à savoir que 144 000 personnes qui ont enlevé. Lorsque vous avez dit ça, vous avez estimé que la communauté témoins de Jéhovah n'a pas dépassé 144 000. Donc, puisque le pas dépassé 144 000, vous avez pensé que, puisque c'est nous-mêmes qui vivons 144 000, donc c'est 144 000 qui ont enlevé. Mais cependant, puisque la communauté témoins de Jéhovah vient d'avoir grandi, ils ont réalisé que, ah, semble que ce n'est pas 144 000 personnes encore, semble que c'est 54 000 personnes qui ont une élection spéciale qui est faite pour eux. Donc, ils ont changé l'an au fur et à mesure. Mais la Bible ne reconnaît pas la question et 144 000 personnes qui ont enlevé. Et déjà, automatiquement, on va aborder la doctrine témoins de Jéhovah. Donc, son doctrine qui n'est pas chrétienne, et dans le sens que qui n'est pas croit, et dans le fait que Jésus-Christ, c'est 100% homme et 100% Dieu. Donc, toute doctrine qui rejetait la divinité de Jésus-Christ, donc son doctrine qui a besoin de rejeter avec toute force, qui n'est pas campé sur rien. Donc, dans ce sens, on est capable de discarder, on est capable d'éliminer toute intervention que témoin de Jéhovah est capable de faire dans ce sens. Et puis, ce sont conférences capables de nous défendre foi ou. Ou même tout, ou capable de besoin explorer davantage et comprendre toutes fausses doctrines ça yo, et parmi lesquelles la doctrine des témoins de Jéhovah, en sorte que lorsque vous venez devant, vous êtes capable de bailler raison et de espérance qu'il y a au même. Monsieur, que bon Dieu capable de bénir nous, passe un bon dimanche. Merci. Merci. Applaudis, applaudis encore. Merci. Voilà, Dieu. On va inviter Sœur Noël à avancer.